Eh bien, je crois que nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Christelle. Bonsoir Aline, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, je suis très heureuse de recevoir Christelle Claire pour son émission Lecture d'âme. Et récemment, hier au téléphone, on s'est rendu compte que cette émission, tu l'avais pas faite depuis longtemps. Et en Oui. fait, la dernière fois que tu l'as faite, ça fait exactement un jour, un mois, un an, Et un an. exactement à la Oui, même heure. pile C'est poil, magique. C'est magique. ouais. Alors que cette émission a été faite au pied levé puisque Virginie Sabatier a eu un impondérable et donc elle n'a pas pu faire son émission. Et puis hier soir, on a décidé de faire ça au pied levé. Et quand j'ai regardé les dates en créant l'émission, je me suis dit, c'est juste incroyable. Les Ouais, c'est synchronicités. trop magique. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, je vais rappeler vite fait la procédure pour l'émission. Christelle, si je me trompe, tu interviens. Oui. Donc, si je me souviens bien, il faut le prénom de la personne. Hein, parce que sur Facebook, parfois, nous n'avons pas les prénoms. C'est juste sur Facebook, hein, parce que sur YouTube, tout fonctionne bien. La date de naissance. Et ensuite, c'est tout, je crois. Hein, c'est bien ça? C'est tout. On peut éventuellement poser une question par rapport à ses chiffres, sa vibration, lequel pose problème, entre guillemets, ou est bloqué, ou dans lequel on est bien, voilà. Mais principalement par rapport à la date de naissance, ouais. Ok. Et au cas où, tu peux avoir de la médiumnité ou pas. Voilà, sauf que je ne demande pas. C'est pas comme dans les émissions purement canalisation où là je demande au guide d'avoir des infos. Là, je donnerai des informations par rapport à la date de naissance. Si les guides me donnent une information pour la personne, bah, je la transmets. Mais si j'ai pas d'autres infos, je demande pas. Je fais juste lecture d'âme et on passe à la question suivante. À savoir aussi que ce sont des mini lectures d'âme, hein, puisque une lecture d'âme complète, elle durerait 1 heure par personne. Donc voilà, là pour essayer de répondre à un maximum de personnes, je donne vraiment des informations en grande ligne dans les grands titres ou le truc le plus, ce qui ressort le plus. Mais c'est pas une lecture d'âme complète. Oui, le plus marquant, quoi. Voilà. Ok, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, quelque chose de très très important. Alors, ces derniers jours, j'ai vécu certaines choses qui ont bien bien remué, qui m'ont porté à amener des changements dans mon propre fonctionnement. C'est-à-dire que depuis quelques années, moi, j'ai toujours envie d'aider, d'être présente, voilà. Ce qui fait que j'ai toujours eu beaucoup de demandes d'avoir des infos ou en dehors des émissions, etc. Et voilà, j'en donnais quand j'en avais. Là, j'ai vécu 4 jours consécutifs, non-stop, où ça n'a pas arrêté avec des mails, depuis jeudi dernier, en fait, depuis la dernière émission, les 4 jours d'après, où c'était, oui, mais dans l'émission, tu as dit ça, oui, mais est-ce que tu peux approfondir, oui, mais il y a ceci, il y a cela. Et j'ai passé 4 jours à pratiquement ne faire que ça. Et ça a été trop. C'était trop en me disant stop. Je ne peux pas continuer à répondre gratuitement à tout le monde et à passer ma vie à faire ça, parce que ce n'est pas juste. Pour un tas de raisons. D'abord parce qu'il faut que certaines personnes, peut-être pas toutes, mais certaines personnes ont besoin de réfléchir par elles-mêmes, de passer par des expériences, des apprentissages concrets dans la matière pour pouvoir passer à une étape suivante. Donc, si moi j'apporte toutes les canalisations, toutes les réponses, ça bloque une partie du chemin. Enfin, ça bloque non, ça enlève une partie de sa propre expérimentation. C'est pas juste pour moi parce que ça me prend un temps fou, parce que ça me prend de l'énergie, et puis parce que à côté de ça, ben, il y a moyen de prendre des rendez-vous en consultation. Donc, je voudrais dire à tout le monde que j'offre avec grand plaisir, voilà, mes capacités, mes compétences, mon temps et ce que je peux pendant le temps de l'émission, mais c'est pendant le temps de l'émission. C'est-à-dire qu'en dehors des émissions, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des demandes de gratuité ou de conseils ou d'approfondir parce que je le ferai pas, je ne répondrai plus. Donc voilà, je voudrais. Il fallait que je recadre un petit peu pour que ce soit plus juste autant pour tout le monde que surtout pour moi-même, parce que je n'avais pas été très juste avec moi-même. Donc voilà, ça s'est recadré. On le fait tous, hein, à un moment donné, on y Oui. vient. Je l'ai fait avant toi, donc du coup, on a expérimenté. Maintenant, on sait et on est obligé de cadrer à un moment donné. Donc voilà. C'est Donc ça. je pense que c'est terminé pour toi. Tu n'as plus rien à rajouter. Non, c'est bon pour moi, on peut commencer, on peut y aller. Pas de petite fessée spirituelle pour quelqu'un. Tout va bien. Non, pas pour l'instant, mais ça peut toujours venir. Hein. On ne sait jamais. Vois pas pourquoi.
Ok, alors on va commencer. Je vais essayer de vous prendre dans l'ordre. Alors moi, sur mon chat, évidemment, j'ai et YouTube et Facebook. Alors j'en ai certains qui grognent parfois, qui disent, mais après, c'était moi. Et non, ma petite chat, ce n'était pas toi, parce que du coup, il y a aussi Facebook de l'autre côté. Moi, j'ai un chat unique avec tout. Et du coup, je vous prends dans l'ordre d'apparition de mon chat. Donc, je vous demanderai d'être patient et patiente. Merci. Sur ce, nous commençons l'émission en beauté avec notre chouchoute Josiane. Coucou Coucou Josiane. Josiane. Alors Josiane, elle dit, bonsoir à toutes et tous. Merci Christelle. Alors, sa date de naissance est le 28-06-46. Et elle dit, puis-je savoir si je progresse régulièrement par rapport à ma mission d'âme? 28/6/1946. Alors. Ta vibration, Josiane, est 1, 6, 2, chemin de vie 9. Donc, chemin de vie 9, je l'ai déjà dit souvent dans des anciennes émissions, mais bon, vu que ça date d'il y a un an, ce sera bon de le rappeler. Le chemin de vie 9 est quelqu'un qui va vraiment apprendre l'altruisme et le dévouement aux autres. Et donc, c'est un thème qui est amené à être régulièrement présent dans ta vie. Ça veut dire que tu es tourné vers les autres. Maintenant, il faut voir également la numérologie. Ça, c'est une info que je peux également donner pour tout le monde. La partie lecture d'âme, c'est la date de naissance et la connexion médiumnique que j'ai de quand je me connecte à l'énergie de la personne. Mais il y a également une partie purement numérologie qui, elle, est basée sur le prénom et le nom de famille. Cette partie-là, je ne fais pas. Mais c'est important pour pouvoir compléter certaines informations. Donc, par exemple, dans ton cas, Josiane, on voit qu'effectivement, voilà, le thème principal qui va chapeauter ta vie, c'est ce dévouement aux autres. Il sera intéressant d'aller voir en numérologie, est-ce que tu es une personne très, très dévouée aux autres ou est-ce qu'il y a d'autres informations en numérologie? Mais bon, je vais me cadrer sur la lecture d'âme. Ça, c'est une chose. Maintenant, tu as peut-être une dualité parce que tu es 1, 6, 2, chemin de vie 9. Donc, le 1, c'est penser à soi et le 9, c'est faire pour les autres et agir pour les autres. Donc, là, ton challenge, un des challenges, si je puis dire, c'est de trouver l'équilibre entre tes propres besoins et les besoins des autres. Donc, dans ta vibration, tu as penser à toi dans le sens, quelles sont mes valeurs, mes principes, comment je fonctionne, qui je suis, qu'est-ce que je veux, voilà, de trouver l'image, voilà, qui est Josiane selon toi-même, pas selon les autres, mais selon toi-même. Et comme un puzzle fait de plusieurs petites pièces, tu vas les rechercher, les valeurs, les principes, en quoi je crois, mes expériences passées qui m'ont appris telle leçon, est-ce que je suis d'accord avec tel et tel précepte. Voilà, donc il y a vraiment toute une notion dans ta vibration où il est important de te poser sur toi, de réfléchir sur toi, sur toi-même, parce que c'est au niveau mental. Maintenant, dans ta vibration, tu as aussi quelque chose où intrinsèquement, donc là c'est dans la planète Soleil, le 6 c'est l'harmonie. C'est-à-dire que c'est plus fort que toi, c'est même pas que tu as décidé de chercher l'harmonie, c'est que ta vibration, elle respire ça. C'est, on peut être en désaccord, on n'est pas obligé de rentrer en conflit pour autant. On peut arrondir les angles, on peut discuter l'un et l'autre sur nos désaccords pour trouver des compromis, trouver des manières qui conviennent à tout le monde. Et ensuite, tu as une autre dualité qui est marquée également, c'est-à-dire que un en lune, c'est je pense à moi et deux en terre, c'est j'ai besoin d'être entouré. Donc là, à nouveau, c'est très subjectif, c'est très personnel. Certaines personnes vont relativement bien le vivre en trouvant l'équilibre, en disant voilà, je pense à moi, mais j'écoute également mon besoin d'être entouré. Par contre, pour toi, il faut voir d'autres personnes peuvent dire, je n'arrive pas à trouver l'équilibre entre ça. C'est-à-dire que si ton 2 en terre, c'est-à-dire le besoin d'être entouré, est plus fort, tu ne vas pas assez écouter ton 1 en lune, c'est-à-dire de t'écouter toi, de savoir qui tu es, d'écouter tes propres besoins et de réfléchir sur toi-même. Et là intervient surtout toute notre éducation, notre environnement. Si par exemple tu as été éduqué en pensant que, enfin en ayant entendu que penser à soi c'était égoïste, qu'il fallait être plus tourné vers les autres, que c'était pas bien de vouloir se mettre en avant, tu auras plus tendance à écouter ton 2 en terre, c'est-à-dire d'être avec les autres, plutôt que d'écouter ton 1 en lune en disant de penser à soi. Donc voilà pour toi. Et tu avais une question, Josiane, qui était, attends, je vais essayer de remonter.
Ah, merci. Merci, Aline. Puis-je savoir si je progresse régulièrement par rapport à ma mission d'âme? Alors, attends, pour ça, je dois me connecter. Alors, moi, c'est ton 2 qui ressort. Je te sens bien dans tous tes chiffres, mais le 2 ressort plus que les autres. Est-ce que dans ta connexion avec les autres, c'est une manière qui te satisfait? Est-ce qu'elle est juste pour toi-même? Ça, c'est ce qui ressort dans ton 2. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de progression. Moi, je te sens plus sereine qu'auparavant. Tu as eu des phases dans ta vie où c'était un peu compliqué de trouver l'harmonie. Non pas à cause de toi, mais à cause de l'extérieur, entre guillemets. Maintenant, on sait que l'extérieur n'est qu'un outil pour notre propre miroir et donc pour te faire développer ce sens de l'harmonie. Donc, tu as déjà travaillé beaucoup, progression, ça c'est clair. Mais ton 2 en terre, il y a encore un petit. Regarde un peu si c'est juste pour toi. La manière dont tu interagis avec les autres, la manière dont les autres interagissent avec toi, le genre de relation que tu entretiens, regarde la satisfaction que tu en retires. Alors, pour toi et également pour les autres. Mais voilà, ça c'est ton 2 en terre pour l'instant qui serait bon de. Sur lequel te pencher. Voilà, Josiane. Merci. Nous avons Brit. Brit qui dit bonsoir. Où en suis-je de mon alignement? Elle est née le 25-06-66 et elle te dit mille merci. Alors, le 25 juin 1966, chemin du 8. Alors, où en suis-je dans mon alignement? Ça, c'est une question qui peut intéresser tous les auditeurs. L'alignement, c'est pas quelque chose que l'on a 24 heures sur 24 à 100% dans la polarité positive, puisqu'un alignement, on peut le vivre autant dans le côté plus que moins, entre guillemets. Il n'y a jamais vraiment de négatif en tant que tel, mais on peut vivre un chiffre ou un thème dans la polarité plus compliquée, plus négative, entre guillemets. Maintenant, tu en es dans ton alignement, je pourrais te répondre maintenant quelque chose. Et dans 1 heure, ou demain, ou dans 2 jours, il peut être totalement différent. Pourquoi? Parce que tu es en interaction sociale. Il suffit que tu reçoives un courrier, un mail, un appel téléphonique, un voisin qui vient sonner chez toi, quelque chose au boulot demain. Il suffit de pas grand-chose pour que ça vienne un petit peu ébranler ton alignement. Parce que on est avec notre mental, avec notre ego, et que toutes ces énergies-là, communiquent les unes avec les autres. Les egos de deux personnes vont communiquer entre elles. Et donc, voilà, je peux te dire par exemple, et je vais le faire après, dans quel chiffre je te sens le mieux ou le moins bien, mais sache que l'alignement peut basculer à tout moment. Alors, donc pour toi, tu es 7, 6, 4, 4 venant de 22, chemin de vie 8. Alors, chemin de vie 8, le 8, c'est l'abondance. L'abondance, pas uniquement matérielle, mais à tout niveau, c'est-à-dire avoir de la chance, se sentir bien, être en confiance, que toutes les choses se déroulent bien. On aurait tendance à penser que le chemin de vie 8, génial, abondance, c'est super. Sauf que le 8, il fonctionne comme ça. Le chemin de vie 8, c'est un chemin de vie en vague, c'est-à-dire haut de vague, creux de vague. Tout va bien, c'est génial, bam, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est constant comme ça, jusqu'à ce que l'on arrive à bien nous aligner sur les autres chiffres, c'est-à-dire pour toi, 7, 6, 4, je vais les expliquer après. Et à ce moment-là, tu as un peu plus d'équilibre, un peu plus de stabilité. Donc, bon, maintenant, quand je regarde Will 66, vu ton âge, tu as déjà dû parcourir beaucoup plus de creux qui t'ont permis d'atteindre cet équilibre-là. Alors, ton 7 en lune, alors là, c'est spiritualité, une ouverture spirituelle. Donc, au niveau du mental, c'est une vibration. Ton âme a décidé de s'incarner dans cette vie avec une vibration qui soit ouverte spirituellement. À nouveau, polarité positive, polarité négative. Soit tu le vis dans la polarité positive, c'est-à-dire que tu es ouverte. Tu vas faire des introspections, tu vas te poser des questions existentielles sur toi, sur l'univers, et tu vas le partager ensuite avec les autres. A contrario, polarité dite négative, entre guillemets, c'est je me pose absolument pas de questions, je rejette le spirituel, je suis très terre à terre. Donc voilà. Ensuite, le 6 en soleil. Je verrai ton alignement après. Hein. Le 6 en soleil, c'est comme Josiane tout à l'heure, où tu as
une recherche d'harmonie qui est plus forte que toi. C'est dans ta vibration. Maintenant, si tu l'écoutes, si tu es bien à l'écoute de tes ressentis, tu feras en sorte de chercher cette harmonie. Mais tu peux très bien la vivre dans l'alignement complètement opposé, et c'est-à-dire d'aller chercher un petit peu, même inconsciemment, d'aller titiller un peu les gens, parce que c'est ça qui fait travailler ton harmonie. Tu sais, dans plein d'émissions, on a déjà parlé de ça, chaque thème a son revers. C'est-à-dire que si on parle d'harmonie, on va vivre également la disharmonie. Tout comme il y a l'ombre et la lumière, le noir, le jour, etc., on connaît un côté parce qu'on connaît l'autre côté. On sait ce qu'est le froid parce qu'on sait ce qu'est le chaud. S'il n'y avait pas ces deux polarités, ça ne ferait pas l'ensemble d'un thème. Donc là, avoir ton sens de l'harmonie, dans quel sens tu le vis. Et le 4 en terre qui provient de 22. Alors, il y a un contact avec la terre qui est très important pour toi. Donc, le contact avec tout ce qui est nature. Alors, ça peut être la nature en tant qu'elle, c'est-à-dire l'herbe, le bois, la forêt, le jardinage, donc vraiment la terre dans les mains. Mais ça peut être de manière un peu plus indirecte par les minéraux, par exemple, par le fait de travailler le bois, par le fait de la géobiologie, ou enfin voilà, tout ce qui a un trait vraiment qui vient de la nature. Les fleurs de Bac, même si c'était transformé par la suite, c'est quand même un procédé à la base qui provient de la nature. Ça, c'est quelque chose qui est important dans ta vibration, et également le fait de réaliser. C'est-à-dire que toi, il ne suffit pas de parler d'un sujet ou d'un thème. Ton âme, ta vibration, elle a besoin de voir concrètement qu'est-ce que j'apporte. Alors, on en vient à ton alignement. Il y a de tout, hein. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour toi. Alors, là où c'est compliqué pour toi, je t'invite à regarder vraiment l'effet miroir. Vraiment, parce que je vois vraiment ça pour toi. Regarde-toi comment tu réagis face aux autres, où es-tu dans le juste pour toi-même, comme je disais en tout début d'émission, il faut le voir pour soi-même également, et regarde s'il y a des choses qui te chiffonnent intérieurement, qui ne te conviennent pas, et là il y aura un changement à faire. Je ne vais pas aller plus loin dans la médiumnité, puisque j'ai vu qu'il y avait quand même énormément de questions, et que le but est quand même de pouvoir répondre à un maximum de personnes, mais donc voilà pour toi Brit. Merci. Alors, je regarderai tout à l'heure s'il y a des retours déjà, parce qu'il y a tellement de questions que je… Mais oui, il y en a beaucoup. Je n'ai pas retrouvé le fil du chat, ouais. Passé après. Donc, là, nous avons Ziva qui dit « Je suis née le 26-12-1956. Puis-je savoir si je suis alignée avec mon âme ?» Merci. Elle s'appelle Antonia. Alors, Antonia, on est né le même jour, pas la même année, mais le même jour. Le même mois ? 26 décembre. Je suis née le 26 décembre, oui. OK. Mais pas la même année. Alors, oui, 3-3. Donc, 26-12-1956, chemin de vie 5. Alors, ta vibration à toi, Antonia, elle est 8-3-3, chemin de vie 5. Alors, chemin de vie 5, 5, c'est la guérison et le changement. Alors, à nouveau, tu peux le vivre dans les deux polarités, soit le changement, il faut que ça bouge, j'ai besoin de liberté, de curiosité, j'aime partir à l'aventure, il faut que ça bouge tout le temps, ou dans la polarité inverse, je déteste le changement, je n'aime pas du tout, moi j'aime bien ce qui stagne, ce qui est stable. Donc, à toi de voir dans quel sens toi tu le vis. Là, il n'y a pas vraiment de positif ou négatif, comme je le disais tout à l'heure. C'est simplement un choix de ton âme qui dit « Tiens, je viens vivre ce changement dans tel sens. » Là où c'est important de le voir, c'est dans la mesure où toi, tu le vis bien ou pas. Que ça bouge beaucoup ou que ça bouge pas beaucoup, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui te convient mieux que l'autre. Et là est toute la différence. Mais c'est un thème qui est récurrent. Le chemin de vie, c'est vraiment un thème qui est récurrent tout au long de la vie et qu'on travaille jusqu'au bout. Donc voilà, maintenant dans ce 5 de guérison, tu as un don de guérison en toi. Alors on a tous des capacités, pas au même niveau, pas dans le même domaine, pas à faire de la même manière, mais il y a quelque chose en toi quand même dans ton énergie qui est de cette guérison. Alors comme elle est en chemin de vie, elle peut être autant au niveau mental que de capacités dans les mains, avec le contact avec la nature, etc. Donc
tu as vraiment toute une palette qui s'offre à toi de voir laquelle te parle le plus. Et c'est celle-là que ton âme aura choisi, tu seras connecté directement à cette manière-là. Maintenant, il y a également le 3 en soleil, c'est une capacité médiumnique. Là aussi, une capacité médiumnique, elle n'est pas, par exemple, uniquement dans la clairaudience, comme je le fais, ou dans la clairvoyance. Elle peut être à différents niveaux. Tu peux faire le tarot, le pendule, avec tes ressentis, par exemple, mettre une photo d'un défunt dans les mains et recevoir des informations par ce biais-là, par le biais physique. La médiumnité est très, très vaste. Mais il y a une capacité médiumnique. Ça veut dire que pour ton alignement, si tu rejettes cette capacité médiumnique, si tu n'es pas à l'écoute de cette capacité-là ou que tu ne la développes pas, et là je peux te parler d'expérience, ça change vraiment ta vie. Dans le sens où plus tu vas être à l'écoute de cette capacité médiumnique, plus ça va se stabiliser dans ta vie, ça va t'équilibrer, ça va t'ouvrir à plein de choses. Et c'est vraiment un cercle vertueux. Plus tu t'ouvres, plus tu découvres, plus tu découvres, plus tu t'ouvres et tu veux en apprendre plus. Et ça devient vraiment un cercle vertueux qui va se répercuter sur tes autres chiffres, à savoir 8, le 3 en terre et le chemin de vie 5. Donc, c'est vraiment tout à ton avantage d'écouter cette capacité médiumnique-là. Et le 8 en lune, alors c'est une confiance en l'avenir. C'est comme si tu t'es programmé à penser positif, à avoir confiance en la vie, mais ne pas oublier qu'en lecture d'âme, le 8 est un chiffre passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pleinement s'ouvrir et s'activer et s'exprimer quand les autres chiffres seront, eux, bien écoutés. Et tes autres chiffres, c'est le 3 et le 5, c'est-à-dire la capacité médiumnique, le contact avec la nature, avec la terre et la capacité de changement. Donc, si tu es bien dans cette capacité médiumnique, le contact avec la terre et de gérer le changement quand dans ta vie, c'est nécessaire de changer, c'est pas nécessaire de changer tout le temps, hein, mais quand dans ta vie, c'est le cas, tu verras que ça va se répercuter sur ta manière d'avoir confiance ou pas. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, tu te rends compte que tu n'as plus trop confiance, qu'au niveau moral, bah, c'est pas top top, tu as une petite baisse de morale, regarde ce que tu fais de ta capacité médiumnique, du contact avec la terre, et là, tu auras la réponse. C'est très probablement un moment où tu n'écouteras pas tellement tes ressentis, où tu ne seras pas tellement en contact avec la nature. Et à ce moment-là, eh bien, fais-le dans ce 3 en terre et ce 3 en soleil. Reprends contact avec la nature. Alors, quand je dis nature, c'est animaux, végétaux, minéraux, peu importe le domaine, mais au moins un contact avec cette nature-là, un contact avec cette capacité médiumnique, et tu verras tout de suite que ça va se répercuter dans la confiance que tu auras en toi-même, en la vie, en les événements et sur ton moral. Voilà pour toi, Antonia. Super, merci beaucoup. Eh bien là, c'est Loïs qui nous dit bonsoir, merci pour ce soir. Je suis née le 10-10-1998. Que dois-je travailler pour trouver mon alignement? Merci. Alors, 1998, donc ça te fait 9, donc ça te fait 1 plus 1. 1990, oula, 10-10-1998. 98 pour les Français. Alors, wow. Loïs, ta vibration est 1-1-9, chemin de vie 11. 1-1-9, ça peut être compliqué. 1 en lune, c'est je pense à moi. Je dois savoir qui je suis, ce que je veux, je pense à moi. 1 en soleil, c'est j'apporte qui je suis avec toute ma vibration intérieure, mes ressentis, quelque chose qui est presque plus fort que moi. C'est moi et pas le voisin ou quelqu'un d'autre. C'est ma vibration à moi. Et le 9 en terre, c'est je fais pour les autres, altruisme, dévouement aux autres. Donc, tu vois que là, déjà, il y a une dualité entre je pense à moi, j'apporte qui je suis, mais je fais pour les autres. Et en étant en chemin de vie 11, 11 est un maître nombre. Donc, 22, 33 sont des maîtres nombres qui ont une vibration particulière d'apporter leur don et leur être, leur vibration à l'humanité avec une inspiration, vraiment le domaine d'inspirer les autres, que ce soit conscient ou non conscient. Mais par le fait d'être toi-même, d'oser être qui tu es et d'apporter ta vibration, ça va inspirer d'autres gens. Que tu le saches ou pas, que d'autres personnes te le disent, te font un retour de savoir, ah ben tu sais, tu m'as dit ça et j'ai réfléchi, j'ai mis ça en place. À ce moment-là, tu aurais conscience que tu as inspiré quelqu'un.
Mais si quelqu'un ne vient pas te faire un retour et ne te dit pas de manière directe, ah, mais tu sais, ça m'a aidé, ce que tu m'as dit, etc., tu n'auras pas conscience, connaissance que tu as inspiré quelqu'un d'autre et pourtant tu l'auras inspiré quand même. Donc ne t'inquiète pas si tu ne te reconnais pas tellement en ça, ça fait partie de ta vibration. Autre chose de très important, un chemin de vie 11, il doit fusionner. C'est le 1 céleste avec le 1 terrestre, c'est-à-dire le 1 terrestre qui je suis moi dans mon incarnation avec, donc en tant qu'humain, avec mon mental et mon ego, et le 1 céleste avec mes ressentis, la divinité qui est en moi, mon moi supérieur et tout ce dont on a déjà parlé sur l'Essentiel TV au travers de plein d'autres intervenants qui en ont également parlé. La plus grosse difficulté pour toi, Loïs, c'est de trouver cet équilibre, ne pas trop basculer dans le 1, moi, 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 et donc dans l'ego, et trouver l'équilibre entre, je ne pense pas que tu puisses être trop pour les autres, parce que tu as quand même 4 fois le chiffre 1, donc ce chiffre 1, il t'appelle vraiment à faire pour toi, à penser pour toi, et à voir qui tu es toi. Donc, je ne pense pas, maintenant, ce serait intéressant de voir en numérologie pure. Quels sont tes thèmes 1 et 9? Ça donne plein d'autres informations. Mais bon, comme je l'ai dit en début d'émission, je fais que lecture d'âme en émission en direct. Maintenant, quand je me connecte à toi, Loïs, je te sens bien dans ton 9. Hein. Le dévouement aux autres. Un ego, il a pu y avoir des colères, alors exprimées ou pas, ça c'est encore autre chose, mais des colères ou de pas comprendre en fait. De pas comprendre ce décalage que tu ressentais par rapport au monde extérieur et de savoir que intérieurement tu avais raison, tu savais, mais que le monde extérieur ne le captait pas en fait. Là, ça t'appelle vraiment à continuer de garder confiance en toi, de garder cette sécurité. Tu sais ce qui se passe en toi, tu sais quelle est ta vibration. Ne rejette pas la faute sur autrui ou l'incompréhension disant personne ne me comprend, ce sont tous des gens stupides ou quoi. Non, ne te dis pas ce genre de choses. C'est juste qu'ils n'ont pas la même vibration que toi. Et donc, moi, j'ai vraiment un appel à adoucir un petit peu plus dans ta manière d'être avec eux. Et ça, c'est vraiment un choix. Ça, c'est vraiment un choix. Soit tu y vas franco, tu y vas de front en prenant le risque que les gens n'acceptent pas cette vibration-là, soit dans le rejet, non pas du fond de ce que tu dis, mais à cause de la forme. C'est plus la forme qui pourrait te poser préjudice. Donc voilà, regarde plutôt cet équilibre-là et de regarder la forme par rapport aux autres. Merci. On a un petit retour de Josiane qui dit analyse exacte, Christelle, quelques réticences encore avec certaines personnes dans lesquelles je n'ai pas encore très confiance, qui m'ont fait souffrir. Merci, Christelle. Avec plaisir, Josiane. Je pense que ce soir, je vais avoir du mal à faire vos retours, hein, donc ne m'en veuillez pas, parce qu'il y a tellement de questions que. Voilà. Donc là, on était à Loïs. Donc, et bien maintenant, c'est Anne-Sophie qui dit bonsoir, je suis en chemin 4. Elle est née le 23-02-86. Est-ce que de nouvelles portes vont s'ouvrir cette année, surtout au niveau pro et sentimental? Merci pour l'éclairage. Alors, 1986, le 23 du 2, chemin de vie 4, 5, 2, 6. Alors, chemin de vie 4, en général, c'est assez compliqué. Un chemin de vie 4 est une âme qui a vraiment décidé de venir bosser. Alors, on a tous, toutes nos âmes ont décidé de venir bosser, des thèmes en particulier, de développer des choses. Mais un chemin de vie 4 a vraiment besoin de la réalisation concrète, de savoir, OK, je fais la différence, dans quoi exactement? Et la personne a besoin voilà, que ça s'active, que ça bouge et que ce soit du concret et de la réalisation. Et 5, 2, 6, alors, le 5 en lune, c'est vraiment
la capacité de transformer au niveau du mental les idées, les pensées et les émotions. Alors, dans la polarité positive, ça va être j'arrive à changer de point de vue. Donc, j'ai une situation devant moi qui est complexe, qui est problématique, je dois trouver une solution, je ne vois pas, ok, je vais le voir sous un autre angle. Tu as cette capacité de qui pour toi te paraît naturelle. Hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour toi, ça te paraît très naturel de dire « je vais le voir autrement ». Comment est-ce que je pourrais faire pour arranger la situation? Donc, tu as cette connexion-là, cette facilité-là à le faire pour toi-même, mais également pour les autres. Donc, ça, c'est quelque chose que tu as peut-être pu déjà remarquer dans ton entourage. Une amie va venir te parler, tiens, je fais face à telle situation. Et toi, tu vas lui donner ton point de vue. Et en fait, la personne en face, elle s'est dit, ah mince, j'y avais pas pensé. Donc, tu vois, c'est dans ce sens-là, pardon, que c'est naturel pour toi, mais que tu aides les autres. Ça, c'est la polarité positive, c'est-à-dire que quand il y a une utilité positive d'aide à quelqu'un ou à toi-même, c'est positif. Si maintenant tu utilises cette capacité dans la polarité négative, ça ferait de la manipulation. C'est-à-dire que je fais en sorte que la personne puisse changer d'avis pour se rallier à mon propre avis et qu'elle fasse comme moi j'ai envie. Là, ça devient de la manipulation. Donc, tu vois, dans ce même chiffre-là, tu as positif, négatif et ça ne donne pas le même genre de relation. Parce que ce n'est pas du tout la même vibration. Ensuite, le 2 en soleil. Alors là, c'est une capacité de te connecter aux gens. En fait, tu ressens les gens. Tes ressentis par rapport aux personnes sont justes. Pour autant que tu écoutes tes ressentis. Ça veut dire que tu es amené à rencontrer une personne, tu as un premier ressenti et après, tu as juste le mental qui te dit « Oui, mais non, allez, tu ne la connais pas, tu ne sais pas comment ça va aller, donne-lui une chance, tu vois. » Et bam, au final, c'est problématique, il y a un souci ou c'est pas… Enfin, voilà, il y a… Et là, tu te diras « J'aurais dû écouter mes ressentis. Je le savais, je l'avais senti. » Donc là, il y a vraiment un appel à suivre tes intuitions, ce qui vient comme ça vraiment spontanément de toi. Quand tu sens ou quand tu ne ressens pas une personne, fie-toi à tes ressentis. Alors déjà, c'est valable pour tout le monde, fiez-vous à vos ressentis, parce que les ressentis, c'est par là que nos âmes nous parlent. Mais avec un 2 en soleil, c'est vraiment une connexion autant au niveau humain avec l'autre personne, mais également avec tes guides, avec l'univers, avec les anges de naissance, avec le cosmos, peu importe le nom qu'on lui donne. Mais il y a vraiment cette connexion, je dirais, aisée, pour autant que tu les écoutes. Et le 6 en terre, alors là, c'est le sens de la famille et l'harmonie, mais de manière concrète. Alors, ça peut être positif si vraiment tu cherches une harmonie, mais une réelle harmonie. Le piège de ce 6-là, c'est que, surtout face à ton 5, imaginons que tu amènes les gens à penser, par exemple, il y a une grosse dispute à table et toi, tu remets un peu les points sur les i en disant, écoutez, non, voilà, on va essayer d'assagir les choses. Si tout le monde se tait pour t'obéir ou pour parce que tu es la responsable ou parce que tu l'as dit avec tellement de véhémence, ce ne serait pas une réelle harmonie. Ce serait une fausse harmonie dans le sens où si toi, le fait que tout se soit calmé, ça t'apaise et ça te plaît, tu te dis « ok, ça me convient ». Oui, mais ce n'est pas une réelle harmonie parce que les gens ne sont pas harmonieux entre eux. Ils se sont juste tus pour avoir le calme. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sentent en harmonie. Donc là, il y a vraiment un appel à chercher la réelle harmonie. Pas juste des faux semblants, mais que ce soit vraiment en harmonie pour tout le monde, tant pour l'autre dans ton entourage que pour toi-même. Et le contact avec la Terre aussi qui est important, avec cette harmonisation-là. Normalement, si tu es bien dans ton alignement, tu devras avoir la main verte, comme on dit. Où tu arrives, on pourrait te donner une plante malade ou pas en bonne forme, et toi, avec ta manière de t'en occuper, whoop, elle va tout de suite reprendre vie. Et ça, c'est le 6 en terre dans le bon sens du terme, dans la polarité positive, où tu vas réharmoniser le tout. Et même chose, hein, pendule aussi, tout ce qui est énergétique, si tu es dans le bon sens. Maintenant, tu poses la question des nouvelles portes, surtout au niveau professionnel. C'est plus canalisation, ça. Ça, Anne-Sophie, c'est vraiment plus canalisation et je vais m'en tenir à lecture d'âme. Si jamais j'avais des infos qui venaient, qui tombaient vraiment comme ça, je te les dirais. Mais là, je dois les creuser. Et donc, je me dis, ce ne serait pas juste pour les autres personnes qui attendent par rapport à la lecture d'âme. Donc, voilà pour Anne-Sophie. Merci,
Alors, on a un petit retour de Ziva qui dit merci Christelle infiniment. Ce message me touche énormément. Je m'y retrouve. Merci, merci, merci. Merci aussi à Aline. Tu m'as émue aussi il y a 3 ans. Tu m'as dit que je suis une fée sur terre. Alors là, étant donné que j'ai la mémoire d'un poisson rouge, je ne me rappelle pas. Mais si je le dis, c'est que c'est vrai. C'est obligé. Voilà, ouais. En tout cas, merci Ziba de ta confiance. Parce que voilà, tu es toujours là, tu reviens. Alors, excusez-moi, je retrouve. C'est affolant, j'ai suis Ouais, ça perdue. défile. Ah, ça y est, je l'ai. Natacha, qui dit bonsoir, je suis née le 3/05/1985. Suis-je bien alignée actuellement? Merci beaucoup. Alors, 3, 5, 5. Le 3 du 5, 1985. Chemin de vie, 4 encore. Ouais, alors, ta vibration, Natacha, c'est 3, 5, 5, chemin de vie, 4. Chemin de vie, 4, comme je viens de le dire pour Anne-Sophie, chemin pouvant être possiblement plus compliqué parce qu'on a besoin de concret, de réalisation. Et ça vient bosser, quoi. Ça vient vraiment travailler. Alors, 3 en lune, c'est tu as une grande capacité de communication. Alors, on parle en général communication, on pense tout de suite au verbal. La communication n'est pas qu'au verbal, elle est dans tes gestes, dans la communication non verbale, dans le comportement, dans le regard, dans les traits de ton visage. Il y a plein, plein de choses dans les gestes que tu peux poser. Tu peux avoir également un côté artistique. Là, c'est la numérologie qui me donnerait la réponse à ça. Mais ici, en lecture d'âme, tu as une très bonne communication, tant avec les autres que même avec l'ego des gens. Si tu es bien dans le ressenti de ce 3 en lune, tu peux facilement gérer quand tu as l'ego d'une personne. Alors, ça veut dire que, par exemple, imaginons, tu as une personne qui vient agressivement vers toi, qui rouspète et ça ne va pas, etc. De deux choses, bien souvent, notre réaction spontanée est de rentrer dans ce genre d'énergie. On va être sur la défensive et bien souvent, on va répondre tout aussi agressivement que l'on s'est senti agressé. Ou d'autres personnes vont pouvoir prendre de la distance et ne pas prendre l'agressivité de l'autre personne dans sa propre énergie. Toi, avec ton 3 en lune, tu as cette capacité-là de ne pas absorber l'agressivité d'autres personnes et de te poser et de rentrer dans cette communication-là. Le tout est de voir à nouveau maintenant comment que toi, tu la vis. Maintenant, il y a toujours des degrés, hein. Tu peux très bien avoir cette belle capacité-là à le voir en douceur. À un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Donc, tu n'es pas à l'abri, je vais dire aussi, de devoir dire stop à un moment donné, et tu le feras, parce que tu as cette capacité-là de pouvoir le dire. D'autant plus que tu as deux fois le chiffre 5 en soleil et en terre. Donc, le 5, c'est le changement, la transformation et la guérison. Donc, tu as cette capacité, tu as un don de guérison. Alors, peut-être plus par les mains. Autant pour une autre personne tout à l'heure, j'ai parlé d'une très grande palette. Toi, je te le vois vraiment dans les mains, par le physique, tu vois, par quelque chose de très concret. Avec des outils, je te vois utiliser des objets en complément de ton don de magnétisme ou voilà, de Reiki ou dans l'énergétique. Tu as une capacité de transformer les choses, donc transformation dans le sens. On prend quelque chose qui est dans un certain état et on transforme dans un autre état. Évidemment, le but est qu'il soit beaucoup plus positif, hein. N'oublions pas toutes les deux polarités. Polarité positive, c'est pour un bien pour tous. Polarité négative, c'est pour un bien uniquement pour toi-même. Mais je te sens vraiment bien pour les autres. Alors, je sens quelque chose dans ton énergie, Natacha. Quand il y a des choses qui sont positives, moi, j'ai un ressenti de. Un sentiment d'injustice quand c'est plus difficile pour toi que pour les autres. J'ai ce ressenti-là que tu ne comprends pas ou que tu n'acceptes pas. Et pourquoi est-ce que ça doit être si compliqué pour moi alors que, et tu vas aller comparer avec d'autres personnes, des situations semblablement, donc similaires, et il y a un fossé en fait que tu crées en toi. Alors j'aimerais te dire, c'est ton chemin de vie 4 qui te fait vivre ça.
C'est ton chemin de vie 4 qui va te faire vivre une situation qui pourrait, que toi, tu pourrais voir plus facile, entre guillemets, pour l'autre, et qui va être plus compliquée. C'est ton chemin de vie 4 qui te le fait vivre de cette manière-là, parce que c'est ça dont ton âme a besoin pour pouvoir dépasser certaines choses et pour pouvoir arriver à transformer. Puisque tu as le 5, ton âme, elle a vraiment besoin de transformer les choses. Donc, si tout allait super bien, si tout te paraissait juste et que tout était aisé, où est la transformation? Où est ta communication? Et où est le fait de travailler dessus? Elle n'y serait pas. Donc, ton âme, elle est venue chercher ça. Elle est venue chercher des difficultés que tu ne vois pas chez les autres pour nourrir ton sentiment d'injustice, pour pouvoir le transformer, le dépasser en toi, arriver à un résultat qui sera plus satisfaisant pour toi et du coup, remplir pleinement ton 4 en disant « j'ai vu le résultat ». C'était pas juste, j'ai fait des efforts, j'ai travaillé sur ça et voilà où j'en suis maintenant. Et donc, par le biais de difficultés que tu vis, tu es en train de faire bosser tous tes chiffres, le 3, le 5 et le 4. Donc là, dans ton énergie, j'ai vraiment envie de t'encourager, Natacha, continue. Vraiment continue, ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que ça te semble plus compliqué pour toi ou pas aussi simple que tu le pensais que tu es sur la mauvaise voie. Pas du tout. Mais tu viens bosser vraiment tous ces chiffres-là. Voilà pour toi, Natacha. Super. Super, super. Alors, tic-tic, c'est Sylvie qui dit... Ah, non, non, elle dit rien du tout parce qu'elle n'a pas donné de date, tu vois. Et je trouve que mieux de lire avant. Oui. Au moins, on l'a vu passer. Coucou Sylvie, du coup. ok. Eh bien là, c'est KDW, DW. Sympa. KDW. Qui dit « Bonsoir, je suis née le 06-08-1985. Je suis curieuse de savoir quel est le message que vous auriez à m'adresser dans l'ici et maintenant. Je vous remercie d'avance pour votre retour. » Alors, donc 685, ça fait… 8985, ça fait chemin de vie 1. Alors, ta vibration, KDW, il n'y a pas de prénom dans le truc, non? Ok, bon, mais KDW, alors? Non. Ok, 685, chemin non. de vie 1. harmonie, donc 6 en lune, harmoniser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as besoin d'harmoniser au niveau du mental, des pensées, des émotions. Tu aimes que les choses se passent bien, c'est-à-dire polarité positive. Hein. Si tu es bien dans cet alignement, dans cet axe positif, on peut être en désaccord. Il n'y a pas besoin de commencer à rentrer dans des conflits, dans des guerres, à crier, etc. Et on pose les choses et on communique. Et voilà. Donc, d'harmoniser vraiment les esprits, tant pour toi que pour les autres. Alors, ton 8 en soleil, alors le 8, c'est l'abondance, mais comme il est en soleil, c'est une connotation différente que pour les autres planètes. C'est une connexion vraiment, tu vois, ce 8, il fait ce signe-là. Et c'est vraiment la connexion en haut, ça revient dans ton moi terrestre. Et c'est en continu, c'est vraiment en continu. Ça veut dire que tu te connectes là-haut à nouveau, tes guides, l'univers, tes ressentis, ton moi supérieur, ton enfant intérieur, absolument tout. Mais toujours en continuité avec ton moi physique. Ça veut dire que si à un moment donné tu dissocies l'un de l'autre, tu bloques ce 8. Tu vois, il faut que l'un passe vraiment de. Ça fasse ce signe-là. Si à un moment donné tu dissocies le moi terrestre avec mon humain, mon mental, mon ego et mon moi céleste, mes intuitions, mon guide, mon moi intérieur, etc., ça ne va plus communiquer et là il y aura un bug même dans tes ressentis, tu ne vas pas te sentir très bien. Donc là, fluide, sois vraiment, laisse aller tout ce qui est en toi et connecte vraiment avec les deux. Ensuite, ton 5 en terre, c'est vraiment donc la transformation. Alors moi, je te vois avec des pierres surtout, avec des minéraux et des animaux aussi. Je te vois avec un contact avec des animaux et vraiment des... Alors, je vois des cailloux. Je ne sais pas si les cailloux que je vois sont vraiment plus minéraux ou les cailloux vraiment que l'on voit dans la terre, quoi, pas spécialement les minéraux. Je te sens très connectée à ce 5, beaucoup plus que dans les autres. Ce contact avec la nature est très, très important pour ta vibration et pour ton âme. Catherine, ok, ben voilà, Catherine.
Donc voilà, surtout ce 5. Et alors, chemin de vie 1. Alors, le chemin de vie 1, c'est toute la bulle, tout ce qui fait toi. C'est-à-dire, autant au niveau du mental, donc les pensées, les émotions, tes ressentis, ce que tu en fais, c'est apprendre, c'est un chemin de vie qui vient te faire apprendre à te créer par toi-même. Donc, pas comme les voisins, comme le prof l'a dit, comme j'ai été formée, etc., mais comme toi, tu le ressens. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne reçois pas d'aide des gens, mais la majorité de ce que tu as créé dans ta vie, tu l'as fait toi-même. Il y a un truc qui me revient dans ton énergie, je te sens assez soutenue. Alors ça, c'est marrant. Je sens, donc normalement, un chemin de vie 1, c'est vraiment quelqu'un qui a dû un peu ramer et faire beaucoup par soi-même. Et toi, je te sens très soutenue. Du coup, je me dis que ce 1, tu as dû aller le chercher ailleurs. Ok, par rapport au 5, d'accord. Le 5, est-ce que tu oses l'exprimer? Tout ce contact que tu as avec la nature, les animaux et tous tes ressentis, est-ce que tu le dis? Est-ce que tu l'affirmes? Est-ce que tu oses en parler autour de toi? Moi, c'est plus dans ce truc-là que je le ressens. Et je t'invite vraiment à le faire et au maximum. Parce que c'est ta vibration personnelle qui est importante à amener. Donc, si tu fais par exemple de la communication animale ou que tu sois en contact avec des animaux, n'hésite pas à montrer à ton entourage comment tu es, comment tu fais. Ne te conforme pas. Ça, c'est le message que je reçois pour toi. Ne te conforme pas. Sois toi-même. Ça, c'est pour toi, Catherine. Alors, excuse-moi, j'étais en train de... J'ai un problème de chat, en fait. J'ai perdu une grande partie des messages, en fait, d'un coup. Je suis descendue en bas pour trouver le nom de Catherine. Et en fait, du coup, là, ben, j'ai perdu... Alors, je suis désolée. Alors, moi, dans le chat, oui, après KDW, je vois Caroline. Eh bien, moi, je ne l'ai plus. Je ne sais pas si toi, tu le vois, tu ne l'as pas. Moi, ça commence à Marie-Hélène qui dit bonsoir à tous, tu vois, donc à 21h02. Ah, il y en a beaucoup qui ont sauté, alors. Oui, oui, d'un coup, comme ça. Je suis descendue en bas du chat et tout a sauté. Tu veux procéder comment? Eh bien, peu importe, il y en a beaucoup qui ont sauté. Alors, Caroline, Angélique, Laetitia. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Et toi, Irma, ouais. Ouais. Donc, moi, je vais pouvoir retrouver celle de YouTube, mais je ne pourrai pas retrouver celle de Facebook. Donc, je vais... prends celle de Caroline Chéri. Voilà, mais là sur... Ah, tu dis ? Pardon, je n'ai pas entendu. Caroline Chéri, c'est ça. C'est d'accord. Exactement celle-là que j'avais vue. Et moi, je vais les retrouver sur YouTube. Et puis, quand il y en aura une de Facebook, tu me la signaleras. OK. Alors, donc, Caroline, bonsoir Christelle, je suis née le 23 juillet 1969. Qu'a-t-elle à me dire que je n'entends pas ? 23 du 7 1969, donc 577, je vérifie, 23 juillet 1969, encore chemin de vie 1, 23 juillet 69. Alors, Caroline, 23 juillet 69, ta vibration c'est 577 chemin de vie 1. Alors, tout ce que je viens de dire pour le chemin de vie 1 te concerne, à l'exception que tout ce que j'ai dit dans le ressenti que j'avais énergétiquement de Catherine ne concernait que Catherine, évidemment. Donc, garde en tête, le chemin de vie 1, c'est se réaliser par soi-même. Et par contre, toi, t'as ramé. Toi, t'en as eu des trucs. Donc, d'apprendre à être soi-même en dehors des appuis des autres, moins d'aide des autres, qui on est, et d'apporter tout ça. Et donc, de réfléchir aussi à « oui, mais qu'est-ce que moi, je veux ?» Moi, je ressens surtout ça aussi dans ton énergie. N'hésite pas à le mettre en avant. Alors, j'ai pas ta grille numérologique, donc je ne sais pas dire en termes de personnalité ce que ça donne. Mais donc, ça, c'est pour ton chemin de vie 1. Ton 5 en lune, on l'a dit pour les autres personnes, donc cette capacité de transformer, donc d'avoir un autre angle de vue que la majorité des personnes, d'avoir cette capacité à transformer les choses. Il y a un gros truc qui te tombe dessus, tu as toute la résilience possible et la capacité mentale de voir les choses autrement et de te dire « Ok,
on y va, on transforme ça et on change pour toi-même et pour les autres. Et ensuite, alors, c'est important, c'est en soleil, c'est en terre. Le 7, c'est la spiritualité, mais vraiment dans tout le sens vaste et large du terme. Le 7 en soleil, c'est ta spiritualité vraiment interne dans tes intuitions, dans tes ressentis, où tu as, toi, ça te paraît tellement naturel, et là, ça peut être compliqué peut-être dans certaines expériences de vie, c'est que dans ton entourage, tu peux rencontrer des personnes qui ne vibrent absolument pas comme ça, qui vont devoir réfléchir, se poser des questions, vivre des expériences pour avoir une réponse à laquelle toi, tu aurais déjà répondu depuis X temps. Donc, n'oublie pas ce côté-là qui est important pour toi, à savoir dans tes relations à autrui. Il y a beaucoup de choses dans cette spiritualité où toi, tu la ressens. C'est tellement naturel pour toi que tu aurais peut-être du mal à imaginer que ce ne soit pas aussi naturel pour les autres. Mais pourtant, c'est le cas. Donc, ça peut t'aider vraiment dans cette ouverture à accepter que, ben voilà, il y a ces différences-là. C'est naturel et c'est aisé pour toi, ça ne l'est pas pour tout le monde. Et le 7 en terre, à nouveau, ce contact avec la nature, mais qui doit être visible pour toi. C'est-à-dire que là où tu trouves ta spiritualité, les questions existentielles auxquelles toi tu as répondu, la foi, donc ce que toi tu as placé dans cette foi-là, et je ne parle pas de foi religieuse, mais voilà, j'ai foi en telle chose, telle chose, telle chose, il y a un besoin que ce soit visible. Si tu ne rends pas les choses visibles dans ce que tu crois, tu passerais à côté de quelque chose de ce set-là. Alors, non pas que ce soit négatif en soi. Quand je dis passer à côté, j'aime toujours me reprendre quand je dis ces mots-là, parce que c'est pas comme si tu ratais quelque chose. C'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt dans le sens que si tu étais pleinement dans ce set en terre, c'est visible, ce set, cette spiritualité, tu es en plein dedans. Et donc, tu es en plein dans cet alignement, dans l'axe avec toi-même, et c'est génial. Donc, si tu es un petit peu à côté parce que tu ne montres pas de manière visible et concrète tout ce en quoi tu crois, ben c'est juste moins génial, quoi. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et donc, ce contact-là est important. Maintenant, toi, dans ton énergie, moi, c'est le 1. C'est le 1, c'est ose être toi et apporte-le pleinement, parce que je te vois apporter vraiment qui tu es toi, mais n'hésite pas à le faire encore davantage, en fait. Voilà pour Caroline. Aline, on ne t'entend pas, ton micro est coupé. Super, merci. Donc, je disais que je n'ai pas retrouvé du tout les questions. Donc, à mon avis, il y avait qui après ? Alors après, j'ai Angélique Coccinelle. Ah oui, non, ben non. C'était pas elle, normalement. Après, et après, Angélique Laetitia. Bon, écoute, on fait ces deux-là. Et après, je vais prendre au hasard dans le chat, parce que là, en fait, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes connectées. Le chat, lui, tout disparaît. Donc, OK. Donc, je fais Angélique. Yes. Donc, elle dit « Bonsoir les fées, suis-je bien alignée en ce moment, née le 22/5/1971 ?» Alors, coucou Angélique, donc ça fait 4 qui proviennent 22/5/8/9. Oui, ok. Alors, Angélique, effectivement, tu connais très bien, toi, la lecture d'âme et ton truc. Donc, effectivement, ta question, c'est surtout par rapport à ton alignement. Et tu es 9. Dans quoi tu es, toi ? 4, 5, 9, 9, 9. Je sens ton 5 en soleil fragile, Angélique. Donc, 4, mental actif, besoin de réalisation, de concrétisation. Tu es bien dedans. 9 en terre pour les autres. Tu as fait un bon équilibre, là. Par contre, tu es en chemin de vie 9 et 9 en terre. Tu as bien équilibré. Moi, je sens un adoucissement. Quelque chose de plus juste et de plus équilibré pour toi. Donc ça, c'est bien. Ton 5, Angélique, développe-le. Alors, ton 5 en soleil, c'est quoi ? C'est le don de guérison, un don, une capacité de transformation par l'énergétique, tu vois.
Je te sens pas assez dans ce 5-là. Ça m'arrange, je vois un magasin de vêtements. Je vois pas ce que ça vient faire là-dedans, mais bref. Je te sens pas dans ton 5. En fait, il y a un manque de confiance. Je t'invite à regarder en toi toute cette vibration, cette énergie que tu as. Fais le même, alors, avec une bouteille d'eau, un verre d'eau, un objet, n'importe quoi. Entraîne-toi à sentir l'aura et l'énergie des objets, des personnes. Et développe tout ça. Tu as quelque chose à développer. Je ne dis pas que c'est une voie professionnelle. Ça, c'est ton libre choix. Mais plus tu vas développer. Tu as un grand-père, Angélique? J'ai un grand-père qui te dit coucou. Oh, purée. Oh. Alors, attendez, excusez-moi, 2 minutes. Angélique. J'ai ton grand-père qui me dit qu'il te fait ça. J'ai tout. Enfin, merci, hein, j'ai capté, merci, je transmets. Mais j'ai un grand-père ton grand-père qui te fait coucou et qui te dit, écoute, oh, c'est génial. Oh, merci. Oh, excusez-moi, ton grand-père me dit de te dire qu'il va t'aider à développer ce 5. Sois à l'écoute de tes ressentis. À un moment donné, oh, j'ai des frissons partout. Tu vas ressentir quelqu'un qui te caresse comme ça, les cheveux et là. Et c'est par là qu'il va t'aider à développer ce 5. Donc voilà, Angélique. Oh, écoute, c'était super top, très, très particulier en dehors des lectures d'âme, mais voilà la réponse pour Angélique. Ok, tu peux prendre, parce que moi je ne l'ai pas encore, Laetitia. Oui, alors, coucou les filles, j'ai déjà eu une lecture angélique et j'ai bien conscience que mon alignement n'est pas encore au mieux. Je veux bien des infos sur ce qui pourrait me mettre dans l'axe. Donc ça, c'est Laetitia, le 21 du 12 1980. Donc ça fait 3, 3, 9. Donc ça fait chemin de glissis. Je vérifie, 21 du 12 1980. Donc, 3, 3, 9, chemin de vie 6. Et donc, avec plaisir, Angélique. Donc, mon alignement n'est pas encore au mieux. Je veux bien des infos sur ce qui pourrait me mettre dans l'axe. 3, 3, 9, 6. Tu ne t'écoutes pas assez, Laetitia. Alors, moi, je vois ton 3 en soleil. Développe tes capacités médiumniques. Alors, moi, je te sens, tu le fais déjà. Est-ce que c'est notre Laetitia ou pas? Un autre, entre guillemets. C'est surtout la mienne. Non, mais je la prête Voilà, c'est pas. ça, oui. Parce que j'avais sa photo, j'avais son visage devant moi et je me dis, mais est-ce que c'est elle? Ok, c'est Je elle. te dis pas si son mari m'écoute. Je vais prendre un petit message sur mon Oui, c'est ça, portable. il va te dire, non, non, c'est la mienne. Et là-dessus, tu as Laetitia qui va répondre, je n'appartiens à personne, je suis à Personne. moi-même. Voilà. Écoute, Laetitia, moi, je te vois dans ton 3 en soleil. Tu es déjà bien dedans. Hein. Franchement, tu es déjà bien dedans. Mais vas-y, explose tout. Est-ce que tu sais que tu as la capacité, alors, je vais dire, d'en foutre plein la vue de tout le monde? Alors, je sais que c'est pas le but. Je sais que t'es pas comme ça. Ça, c'est une question d'ego. Mais c'est pour te dire à quel point, vas-y, quoi. Tu te freines. Tu te freines, Laetitia. Alors, moi, je te sens bien. Trois en lune, communication avec l'ego des gens, le tien, la communication. Je sens du gueulage comme ça de temps en temps, mais parce qu'il faut. Je veux dire, parce que c'est plus dans un cadre éducationnel, donc ça, c'est pas problématique. Ton neuf en terre, ouais. Ton chemin de vie 6, ouais. Encore aussi un petit peu à développer, mais franchement. C'est pas problématique, ton harmonisation, il viendra. Moi, c'est ton 3 en soleil que je sens vraiment à développer. Donc, toutes tes capacités médiumniques, et je sais que tu le fais déjà. Mais tu peux, moi, on me dit, tu peux faire même encore le double de ce que tu fais déjà maintenant. Alors, non pas qu'il y ait vraiment une question de quantifier quelque chose, mais tu sais quoi, tu peux même canaliser des trucs propres à toi-même.
Prends quelque chose déjà de base peut-être et demande-toi ce que tu pourrais ajouter, modifier, transformer. Comment est-ce que toi tu le ressentirais? Et suis tes ressentis. T'as vraiment, moi je vois un truc mais explosif là, dans le bon sens du terme. Si je peux me permettre, puisque je travaille avec elle et que je la connais bien, elle le fait déjà. Elle fait déjà ses propres soins collectifs. Elle est très très bonne dans ce domaine. Elle a fait avec nous l'atelier médiumité sur photo. Elle a été excellente. Et en fait, la seule chose qui la limite, c'est son mental. Donc, elle se rend pas compte à quel point elle est performante en fait. Donc, du coup, elle se voit toujours comme Moi, un elle ne fait. apprenti. Tu vois, un apprenti qui sait pas faire et qui a toujours besoin qui se dit que les autres savent mieux faire que lui. Son maître sait mieux faire que lui, son maître de travaux en tout cas. Et du coup, elle a toujours l'impression de pas. C'est juste là. Ah oui, non, mais vraiment pas, Laetitia, vraiment pas. T'es pas du tout dans le cadre apprenti, hein. Pas du tout. Tu pourrais toi-même, enfin, je sais que tu le fais déjà, mais t'es à ta place, quoi. T'es à ta place quand tu expliques, quand tu enseignes, quand tu fais, quand tu canalises et tout. C'est ton truc, donc oui, vas-y à fond. Je ressens ces freins-là en disant, oui. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essaye d'enlever ces freins-là parce que franchement, c'est peut-être ça qui va te faire exploser. J'ai vraiment ce truc-là, moi, d'exploser, mais c'est plus peut-être par rapport à toi-même, mais de ressentir, mais vas-y, quoi. Vas-y, t'es pas moins que les autres, hein, loin de là. Ouais, mollo quand même, hein. On va pas s'emballer. Moins que Aline, c'est ça? En tout cas, je lui souhaite d'exploser en plein vol, hein, tout ce qu'elle a à donner, parce qu'elle a beaucoup à donner. Alors, du coup, maintenant, je vais faire rouler ma souris et tu vas me donner un chiffre. 4. 1, 2, 3. Juste celui d'après, tu sais, celui que je vois pas. Parfait. Alors, 1, 2, 3, 4. Là, j'ai. Florence. Qui est née le 23-04-69. Et elle dit, j'ai l'impression que quelque chose me bloque sur mon chemin. C'est ton mental, Florence. Alors, 1969, non, c'est pas ça que j'avais calculé, 23 du 4, 1969, 23 du 4, 1969, 7. Alors, ta vibration, 5, 4, 7, 7. Alors, 5 en lune, comme je l'ai déjà dit pour plusieurs personnes tout à l'heure, transformer le mental, changer de point de vue, etc. Et moi, je sens que là, déjà, ça peut. Là, je sens déjà quelque chose. Alors, qui bloque, entre guillemets, pour réutiliser le mot, puisque tu cherchais ce qui bloque, mais tu as cette capacité de pouvoir penser autrement. Alors, peut-être que si tu es trop dans une certaine voie, une certaine pensée, ça peut être rempli de croyances, de conditionnements ou d'impossibilité de le faire parce qu'il y a un conjoint, des parents ou d'autres personnes autour qui ne te laissent pas émettre cette vibration-là. Mais tu as ce 5-là que tu peux développer, donc de changer le mental. 4 en soleil, ta vibration, elle appelle à du concret. Elle appelle vraiment à dire, OK, moi je viens sur Terre, mais je laisse une trace, quoi. Je fais quelque chose et j'ai besoin de réalisation. Et le 7 en terre et en chemin de vie, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, sauf que en chemin de vie, c'est un thème, en fait, en chemin de vie, c'est vraiment tôt ou tard, à un moment donné dans ta vie, il est nécessaire de faire vraiment une grande introspection de toi-même. D'abord, observation de soi-même. Donc, qui je suis, comment je me sens, mes principes, mes valeurs, ce que je veux, ce que je ne veux plus, mes besoins, comment je fonctionne, ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Qu'est-ce qu'il y a après la vie terrestre? Enfin, tu vois, tout ce genre de questions-là et de trouver tes propres réponses. Tu peux aller te baser sur plein d'autres émissions de l'Essentiel TV, sur des bouquins, sur plein de choses, mais prends ça comme base. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller trouver la réponse à tes propres questions, tu ne vas pas la trouver à l'extérieur. Tu peux aller chercher des outils, des indications, des informations sur lesquelles tu te bases pour ensuite faire ton propre choix.
Donc, sens-toi libre de dire, tiens, telle personne a dit ça, ça résonne en moi, j'aime bien, mais pas tel truc ou tel truc. Telle autre personne avait dit ça, est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Comment est-ce que je le sens? Comment est-ce que je me positionne? Tu vois, tout ce que tu peux voir aux alentours dans tout ce qui est spiritualité, développement personnel, éveil, etc., prends ça comme une base sur laquelle te poser pour voir ce qui résonne en toi. Ça, c'est un atout, ça, pour toi. C'est vrai, mais, alors, prends le temps. Faut aller creuser loin parce que c'est quelque chose qui t'est déjà commun. Je veux dire, ce n'est pas inconnu. Tout ce que je viens de te dire, ce n'est pas comme si je te parlais chinois. Tu as déjà fait ce genre de choses. Mais ça vaudrait la peine d'aller creuser beaucoup plus loin. On a tous, tu sais, des conditionnements, des croyances en fonction de notre éducation, de nos expériences, de toute la vie autour de nous. Moi, je t'invite à aller creuser parce que c'est comme si tu n'étais pas encore arrivé au trésor que tu es à l'intérieur de toi, presque parce que tu n'as pas osé y croire, parce que tu peux pas imaginer que ce soit possible. Et c'est là où j'en reviens à ce 5 que je ne sentais pas développer. Ce 5 va te permettre de voir les choses autrement. Donc le 5 en lune, je transforme les idées que j'ai, les pensées qui me traversent, les émotions négatives qui me plombent, je peux les transformer en positif. Les croyances que j'ai, l'éducation que j'ai toujours entendu mon père ou ma mère ou mon prof me dire ça et ça m'a plombé et j'ai fini par le croire, change tout ça. Change tout ça et tu verras que ça va complètement t'ouvrir à ce chemin de vie 7 qui ensuite va vraiment t'amener au cœur de toi-même. Ça, c'est ce que j'ai pour toi, Florence. Merci beaucoup. Un chiffre, s'il te plaît. Le 2. C'est la roulette russe. 1, 2. Oui. Sylvie qui dit: je suis née le 17-09-62. Que faire pour un meilleur alignement avec mon âme? Merci Christelle. Alors, donc ça te fait 8, 9, 1962. Oh là là, 8, 9, 9. Encore quelqu'un qui s'épuise pour les autres. 1962, donc 17 septembre 1962. Exactement. Waouh! Alors, Sylvie, tu es 8, 9, 9, chemin de vie 8. Ça veut dire 8 en lune, pleinement confiance, polarité positive, hein, n'oubliez pas polarité positive et négative, et on peut vivre un alignement tantôt dans le plus, tantôt dans le moins. On n'est jamais aligné à 100% dans le positif, ne fût-ce que par notre incarnation humaine et nos interactions sociales. Mais donc, 8 en lune, c'est une âme qui choisit une personnalité, une vibration, pas une personnalité, pardon, mais une vibration qui veut avoir pleinement confiance en la vie, en l'avenir, dans le futur, en soi, etc. Ne pas oublier que le 8 se vit comme ça, donc avec des hauts et des bas, c'est-à-dire des phases où j'ai pleinement confiance et j'y vais, et d'autres phases en disant, ouais, ben finalement, un moral un petit peu en berne, je ne suis plus aussi sûre que ça, et finalement, voilà, avec beaucoup de doutes. Idem pour le chemin de vie, qui est également 8. Le chemin de vie 8, ce truc en vague, en haut, donc, et en creux, qui va se répercuter sur tous les domaines dans ta vie. Maintenant, l'avantage, tu es né en 1962, donc ça veut dire que tu as déjà eu pas mal d'expériences qui t'ont fait mener dans le creux des vagues pour qu'à un moment donné, tu te dis stop, ah, maintenant j'en peux plus, et ça te permet de te recentrer. Et en plus, avec le 9 en soleil et le 9 en terre, les autres, les autres, les autres, les autres. Alors, quand on voit tes chiffres, on se dit super, la confiance, le chemin de vie 8, l'abondance, la chance, etc., et le dévouement aux autres. Sauf qu'en fait, ça peut être compliqué. C'est compliqué parce que c'est un chemin qui te mène, je vais dire presque de manière obligée, à tellement t'épuiser pour les autres, à tellement avoir suivi tes pulsions pour aider les autres, qu'à un moment donné, en fait, tu as rencontré des gens qui t'ont marché dessus, qui t'ont pas respecté, qui t'ont épuisé, qui t'ont demandé encore et encore et encore toujours plus. Et qu'à un moment donné, la vie a fait que c'était tellement trop que tu étais bien obligé de dire stop. Non pas parce que tu ne voulais plus aider les autres, mais parce que toi, tu étais complètement à plat. Ou parce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que voilà, ça n'allait plus, ou que tu t'es fait flouer par quelqu'un, ou que voilà, il y a un déséquilibre total. Et là, en rééquilibrant ton œuvre, de dire, OK,
je veux toujours aider les autres, mais de manière beaucoup plus juste et équilibrée, à ce moment-là, ton 8, il devient plus équilibré aussi. C'est-à-dire que si tu regardes un peu les périodes de ta vie, là où tu as été le plus juste envers toi-même, c'est-à-dire à ne pas tant t'épuiser pour les autres, mais à être là pour les autres dans le juste pour toi aussi, ce sont les périodes qui ont été les plus fastes pour toi aussi. Donc, les moins chaotiques, les moins difficiles. Donc, il y a vraiment un équilibre, en fait. C'est comme si tu étais prise en tenaille et que toute ta vie, tu es alors… pas trop dans un excès, tu vois, tu vas trop dans un excès, bam, tu reçois un mur. Puis tu vas dans un autre excès, bam, tu reçois un mur. Et ce balancement fait en sorte de t'amener vers un équilibre. Donc, moi, je t'appelle vraiment, ta question, c'était de savoir sûrement ton alignement. Moi, je te sens fort trinque-ballé. Je te sens fort aller dans un sens et puis dans un autre, et oui, mais non, et puis oui, mais ceci, oui, mais cela. Apprends vraiment à poser, je vois comme des piliers, tu vois, de pose tes piliers. Les valeurs que toi, tu décides en disant, voilà, moi, je suis d'accord, voilà, je suis dans le dévouement aux autres, je suis là pour les autres, mais je suis là, j'ai mon besoin. Tu peux même donner des jours et des heures, par exemple, hein, si tu es dans ton… Un travail, par exemple, qui t'épuise ou une association, quelque chose de bénévole, etc. Et qu'à chaque fois qu'on te demande, tu dis oui, limite. Limite pour rééquilibrer. C'est toujours ton altruisme, en fait, qui va te pousser à être là pour les autres, mais ce n'est pas juste envers toi. Et l'équilibre passera d'office en pensant à toi. Voilà pour Sylvie. Super. On a un petit retour de Laetitia qui dit merci, vous avez raison. C'est exactement ce que j'aurais répondu. Ah, voilà. Je n'appartiens qu'à moi-même, mais oui. Je vous aime quand même. Exactement, super. Un petit chiffre, s'il te plaît. 3. 1, 2, 3. Et c'est Sanasov. Bonsoir. Sophie, née le 19-10-1983. Une voyante m'a dit que une fois que j'aurais retrouvé mon père biologique, tous mes blocages seraient levés. A-t-elle raison ? Merci. Alors, avant de faire ta lecture d'âme, je ne vais pas dire, enfin, quand une médium te dit, tiens, te donne une info, et que ce soit cette médium-là, ou moi, ou n'importe quel autre, il peut se passer dans le cerveau un mécanisme de croyance engendrée. C'est-à-dire que puisque le médium t'a dit que ça allait se résoudre quand tu allais retrouver ton père biologique, c'est encodé dans ton esprit en te disant « donc, ça ne peut pas se passer avant ». Donc, vite que je sois à la recherche de mon père biologique, que je le retrouve parce que je dois arriver à ce thème-là pour débloquer le blocage. Je t'invite à faire attention à ça et à être à l'écoute de tes ressentis. Je t'invite aussi, non pas qu'elle ait eu tort de te dire ça, mais elle te l'a dit à l'instant T. C'est-à-dire que quand elle te l'a dit, c'était le champ des potentiels qui s'est présenté à elle à ce moment-là. Maintenant, tu es dans une autre vibration. Je ne sais pas depuis combien de temps cette médium te l'a dit, mais depuis tout le temps, entre le moment où le médium te l'a dit et le maintenant, par exemple, ici et maintenant, tu as eu une vie, des choix, des rencontres, des changements. Tu as eu plein de choses qui ont fait que ton champ des potentiels a changé. Donc, je t'invite vraiment à ne pas encoder cette croyance. Je dois attendre d'avoir rencontré mon père biologique pour débloquer. Ça, c'est très, très important. Donc, voilà. Oui. Si je peux rajouter le fait que c'est le fait qu'elle dise tous mes blocages seraient levés. En fait, tous tes blocages ne viennent pas que de l'abandon de ton père, en fait. Oui. Tu as d'autres blocages qui… tu as des fausses croyances. Il y a des croyances transgénérationnelles. Il y a des peurs aussi qui créent des blocages. Et donc, du coup, je pense que le fait de retrouver ton père biologique va effectivement guérir et lever une partie des blocages, mais tu as en toi d'autres blocages, bien d'autres blocages, que tu peux commencer à travailler d'ores et déjà en attendant de retrouver ton père. Parce que tout ne vient pas de cet abandon. Il y a plein, plein, plein de choses. Moi, je me rends compte que nous sommes des oignons,
à chaque fois qu'on enlève une peau, il y a toujours une autre peau. Et chaque blocage est différent. Certains viennent des parents, d'autres de peur, d'autres des anciens amours. Donc, vraiment, c'est, quelque part, ça te met en stand-by et ça te permet de ne pas travailler sur toi. Et c'est dommage parce qu'effectivement, quand tu vas retrouver papa, ça va lever beaucoup de blocages, mais pas tous, en fait. Et oui, c'est là et où puis, tu peux être déçu. Le mental nous joue des tours aussi, hein, parce que cette médium, elle a peut-être dit dans une thématique, si tu poses une question et qu'elle te dise, tiens, ce blocage, ça va t'aider de retrouver ton père pour le résoudre. C'est encore différent que de dire mon blocage va se défaire quand je l'aurai rencontré. Et c'est pas tous les blocages, mais le mental va transformer les souvenirs au petit à petit en disant mais tous mes blocages. Mais peut-être que la médium n'a pas dit tous les blocages. Donc n'oublie pas le rôle de l'ego et du mental qui nous joue des tours aussi. C'est ça, exactement. Nous sommes responsables en tant que médium de ce que nous dites, mais pas de ce que vous comprenez. Exactement. Et bien souvent, quand on parle d'abondance, c'est le cas le plus souvent que je rencontre. Je vais devenir riche. Non. L'abondance, c'est dans tous les domaines. Et l'abondance, ça veut dire je gagne assez aussi pour subvenir à mes besoins. C'est pas vivre dans l'opulence. J'ai pas dit opulence, j'ai dit abondance. Ouais. Donc, du coup, nous sommes responsables de ce que nous disons, mais pas de ce que vous comprenez. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi. Oui, tout à fait. Donc, pour ta lecture, Sophie, 1-1, 3, chemin de vie, 5. Donc, 1 en lune, je dois penser à moi, qui je suis, mes pensées, c'est être dans ma bulle, tu vois. Mais comme c'est en planète lune, ça veut dire que tu n'as pas spécialement besoin de plein de gens autour de toi, mais même s'il y a plein de gens autour de toi, ça ne t'empêche pas d'être dans ta bulle mentalement. Mais voilà, donc c'est un besoin que de divaguer un petit peu, te laisser aller dans tes pensées. C'est pas spécialement que penser à toi, mais voilà, quand tu te laisses aller un peu dans les pensées, ben, fais-le. Parce que là, tu as, c'est un peu comme les méditations aussi, où tu vas avoir plein de réponses qui viennent à toi. Le 1 en soleil, c'est le fait de créer quelque chose de nouveau, mais par ta propre vibration. Donc, apporte qui tu es toi. À nouveau, pas comme on me l'a enseigné, comme je l'ai vu par d'autres, comme les autres font, etc., mais de la manière dont toi tu fais. Et alors, moi, j'ai le transgénérationnel qui ressort fort chez toi. Parce que dans le 1 en soleil, déjà, d'une manière générale, il y a vraiment un potentiel très large de transgénérationnel. Moi, je le sens assez fort. Ah ben oui, fatalement, tu disais par rapport à ton père biologique. Ok, c'est cohérent. Et ensuite, le 3 en terre. Alors, tout ce qui est connexion, alors, minéral, végétal, donc je l'ai dit, animal, minéral, végétal, pas spécialement dans les trois domaines, mais il y en a quand même un des trois qui peut fort te parler. C'est comme, si je peux dire, ça nourrit ton âme. C'est vraiment quelque chose qui t'aide à te connecter à toi. Il y a quelque chose qui se passe dans cette communication-là. Alors, moi, je te vois plutôt dans les dessins, c'est marrant. Alors, je te vois plutôt dessiner, tu vois, genre des mandalas ou te laisser aller avec un crayon en main, en fait. Donc, est-ce que c'est de la peinture ou du dessin, mais je te vois plus dans un truc artistique aussi. Et chemin de vie 5, changement. Donc, si tu as entendu pour l'autre personne qui était en chemin de vie 5, c'est la même chose. Soit c'est tout l'un, tout l'autre, c'est-à-dire il faut que ça change, la liberté, la curiosité. pardon. Que ça bouge tout le temps, ou inversement, je n'aime pas du tout le changement et c'est ça que tu es venu travailler pour sortir un petit peu de ce côté casanier. Excuse-moi. Donc, Sophie, pour toi, 1, 3, 5. Je ne te sens pas assez à l'écoute de toi-même. Je te vois un peu courir un peu partout. Je te sens assez bien dans tous tes chiffres, mais tu vois comme si tu as la batterie qui est aux trois quarts et que tu pouvais remplir un petit peu plus. Donc, continue à suivre tes ressentis, à faire ce qui te plaît, ce que tu aimes, parce que je te vois dans un loisir qui te plaît beaucoup. Continue à faire tout ça. Continue comme tu le fais, je ne sens pas vraiment de blocage. C'est juste l'évolution, en fait, par laquelle tu passes. Et les expérimentations qui t'amènent à vivre ce dont tu as besoin de vivre pour arriver à dépasser le transgénérationnel, à te découvrir toi et à opérer ce changement quand c'est nécessaire.
Voilà pour Sophie. T'as pas le micro, allez. Excuse-moi, Voilà, oui. si, ça y est, je l'ai. J'étais en train de lire les retours de Sophie. Alors, apparemment, elle cherche son père depuis septembre dernier. Elle dit, j'ai commencé recherche, mais pour l'instant, j'ai mis ça de côté. Et après, elle dit, non, je n'ai pas posé de questions sur lui. Elle a deviné toute seule. Ma question était sur le travail. Oui, c'est là où ça prouve que c'est une bonne médium. Après, la problématique reste la même, c'est que ça ne va pas régler tous tes problèmes, le plus gros de ton problème, effectivement, mais pas tous tes problèmes. Ou tes blocages, pardon. Alors, vas-y, donne-moi un petit chiffre. 5 pour changer. Allez, hop, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5. Pensez au pouce bleu, clique. Ah non, c'est pas le bon. Marie-Ange qui dit, pensez au pouce bleu, clique. Oui, Ah, ça aussi. c'est Bah, la donc suivante. juste après, c'est Isabelle R qui dit bonsoir. Je repose ma question si celle-ci ne paraît plus. Née le 22 avril 66, suis-je alignée? Si ce n'est pas le cas, quelles sont les choses à modifier? Et suis-je sur mon chemin? Merci à vous deux. Alors, coucou Isabelle. Oui, on a déjà, attends, 22 du 4 1966. Déjà, on a 2-4. On a 3-4, hein, 4-4-4. Sympa. Moi, j'en ai qu'un déjà, je trouve ça compliqué. Mais c'est particulier, c'est ce qu'on appelle une triple conjoncture. C'est ma, attends, hein, ouais. Alors, mais Isabelle, donc on avait déjà fait ta lecture d'âme, donc je sais que tu demandais plus pour ton alignement. Oui, 4-4-4, c'est je viens bosser, bosser, bosser à tous les niveaux. Le mental, les pensées, les émotions, l'énergie qui sort de lui-même, donc ton âme qui te parle, qui appelle le concret. En planétaire, c'est voilà, besoin d'être connecté. À la terre et de réaliser, de savoir ce que je fais, ce que j'apporte. Et le tout est sous le couvert de la communication, chemin de vie 3. Donc, sous le chemin de la communication, ça veut dire que tu vas avoir régulièrement dans ta vie des situations et des événements qui vont venir te faire travailler cette communication dans un sens ou dans un autre, puisque c'est le chemin de vie donc qui chapeaute vraiment toute ta vie. Alors, dans ton alignement, tu demandais. Alors, actuellement, je te sens plus dans le mental. Attends. Il y a le 4 en soleil qui ressort, mais plus dans une. J'essaye de me poser un peu, parce que comme. Ah oui, voilà. Quelles sont les choses à modifier? D'accord. 4, 4, 4. Ben, les choses à modifier, alors moi je te sens plus dans le mental avec le 22. Donc ton 4 vient d'un 22, tant en lune qu'en terre. C'est d'écouter les guides. Alors il se fait que, bon, Isabelle, on se connaît quand même un petit peu, on échange pas mal par Messenger. Et donc j'essaye vraiment de me connecter juste à ton énergie et pas à ce que je connais de toi. Mais c'est le 22, moi, qui ressort. Je te sens pas à devoir modifier. Je te sens à te faire plus confiance. Tu sais, tu as les guides et je sais que tu les écoutes. Je sais que tu es connecté mais tu as toujours un mental et c'est normal. Le 4 en lune, c'est un mental très actif. Et on se pose des questions et encore et on se repose la même question. En quel pourcent on avait répondu, mais on continue encore. C'est ta vibration qui est comme ça avec ce 4 en lune. C'est une vibration particulière hein, quand on appelle les triples conjonctures. Alors, vous m'en avez peut-être entendu parler. Celui qui m'a formé aux lectures d'âme appelle ça des princes planétaires. Donc voilà, si tu as envie d'aller te renseigner là-dessus, Isabelle, sur les princes planétaires, c'est vraiment ça que tu es venue
chercher, c'est le thème le plus important pour toi, c'est comment on réalise, comment on fait pour avoir un mental très actif, se poser des questions toujours sans arrêt et d'avoir besoin de concret, de réaliser. Et là, c'est plus une invitation. Et les ressentis là-dedans, Isabelle, le non logique, tu vois, tu es très voilà dans cette logique-là, ça fait partie de ta vibration, mais tu as deux fois, c'est un 4 qui provient de 22, donc c'est vraiment un appel à te dire, tu sais que tu as des guides qui sont là. Tu les entends, tu les écoutes, je sais que tu es connecté, mais fais le même encore davantage. Donne plus de crédit à tes guides qu'à ton mental. En fait, c'est ça que ça veut dire. Voilà pour Isabelle. Merci, merci. Petit chiffre. Deux, je ne vais pas commencer à sortir des 7 ou des 8 parce que ça va faire beaucoup trop loin. Alors, attends, je fais ma roulette. 1, 2. Christelle qui dit, mince, j'étais juste avant Florence. Mais alors là, il n'y a plus de je suis avant, je suis après. Christelle, née le 08-04-1986. Quel est le domaine principal à travailler pour atteindre mon alignement? Merci. Oui, 4, 6. Le 8 avril 1986, chemin de vie 9. Donc, ta vibration, Christelle, 8, 4, 6, chemin de vie 9. Alors, pour toi, quel est le domaine de chiffres plus à travailler? Donc, confiance en l'avenir, pensée positive. Ah, ton âme qui a besoin de concrétisation, de savoir, ok, moi, je viens apporter quelque chose, je veux laisser une trace sur cette terre et je viens pour harmoniser autour de moi. Tout ça sous le couvert du chemin de vie neuf, donc l'altruisme. Dans quoi est-ce que je te sens? Ah, c'est plus ton 4. Hein. Ton énergie est dans cette lecture d'âme, c'est plus, tu es tellement accroché à dire, oui, mais je viens faire quoi là? Ce truc du travail, ce 4 en soleil, j'en fais quoi? Eh bien, je t'appelle à écouter plus le reste, vois partout où tu harmonises, où tu parviens à harmoniser autour de toi. Là où tu vois que tu apportes une différence, que tu apportes de la douceur, du calme aux gens, une manière de faire. Toi qui es très dévoué aux autres et qui est en contact avec les autres, observe ce truc-là. Observe tout ce qui en toi apporte de l'harmonie aux autres. Et là, tu auras ta réponse pour ce 4 du travail, de savoir, ok, je réalise quoi exactement, je fais quoi. Et c'est fort, hein, je vais voir si j'ai autre chose. Non, c'est vraiment ça. Observe-toi dans... Tu peux même demander, hein. Tu peux demander autour de toi, tiens, selon vous, il y a plein d'autres trucs. Qu'est-ce qui fait que j'apporte l'harmonie sous votre... Mais juste pour info, hein, c'est pas, ne te base pas sur l'avis des autres pour créer toi-même ton chemin. C'est pas du tout ça. C'est juste que je capte dans ton énergie que ça peut t'aider comme piste de réflexion. Donc, juste demander comme ça pour info, tiens, à vos yeux, selon vous, par quoi j'apporte l'harmonie? Tu prends leur réponse comme base, juste pour pouvoir, toi, aller plus loin dans ta réflexion. Et continue plus loin et tu verras après que là, tu auras ta réponse pour savoir dans quel domaine ça te parlera le plus pour concrétiser les choses. De dire, ok, ben, je bosse dans quoi? Là, tu auras ta réponse, Christelle. Voilà. Ma petite Aline, tu es là? Oui, je suis là. Je suis là, je devrais avoir une souris qui fasse tout d'un coup, mais non, c'est pas le cas. Vas-y, donne-moi un petit chiffre. 4. 1, 2, 3, 4. Romuald. Romuald qui dit « Rebonsoir, je m'appelle Romuald, né le 17-07-66. Ne voulais savoir si ma spiritualité va s'améliorer. Merci à vous, que la lumière veille sur vous. Et sur toi, Romuald. Merci. Alors,
Tu as exactement les mêmes chiffres que ma fille, Romuald. Alors, 3, 7, 4 provenant de 22, chemin de ville 5. Alors, donc, 3 en lune, comme j'ai dit tout à l'heure, la communication, tant avec l'ego des gens que le tien, et une communication verbale, non verbale, de comportementale, etc., mais surtout dans le mental et le non verbal. 7 en soleil, c'est la spiritualité qui émane de toi, comme ça, avec des choses qui te paraissent tellement naturelles et tellement logiques, entre guillemets, pour toi, mais qui ne le sont pas pour tout le monde. Et le 4 provenant de 22 en terre, c'est besoin de réalisation, besoin de concret en disant, OK, oui, mais moi, j'apporte quoi? Et le contact avec la terre. Tout ce qui va être, donc, à nouveau, animal, végétal, tu trouves, ou minéral, tu trouves le truc qui te parle le plus. Et ton chemin de vie 5, le changement, il y en a pas mal aujourd'hui. Donc, soit ça bouge tout le temps, j'ai besoin de changement, soit l'inverse, je n'aime pas du tout le changement, j'aime bien la routine, ce qui est stable. Et du coup, ton âme vient apprendre à sortir un petit peu de ce truc-là. Alors, ta question était pour savoir dans quel chiffre. Ah oui, ta spiritualité, elle est tout aussi bonne aujourd'hui que demain, que dans 6 mois, que dans 3 ans. Malgré le fait que tu évolues. Enfin, c'est même pas malgré, c'est pas le bon mot, hein. Mais tu évolues constamment au gré de tes expériences, oui. Si ma spiritualité va s'améliorer, c'est toi qui t'améliores, Romuald. En fait, c'est toi qui vas aller chercher ta propre spiritualité au travers de tes expériences, au travers de tes ressentis, au travers des autres qui sont un outil d'apprentissage pour toi, pour l'effet miroir, etc., de toutes ces techniques. Jour après jour, mois après mois, année après année, tu expérimentes. Tu ressens, tu apprends à être plus à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions, tu retires des leçons de l'univers, de tes expériences, etc. Et c'est au gré de tout ça que ta propre spiritualité évolue, parce que tu évolues toi-même. Donc là, le fait d'avoir nommé ta spiritualité comme un élément extérieur, ça montre que tu n'as peut-être pas autant, de vision sur ton propre pouvoir. C'est ta spiritualité, ton truc à toi intérieur, ta divinité intérieure, tu vois. Ne remets pas à l'extérieur ce qui t'appartient à toi à l'intérieur. Moi, j'ai plus un appel de ça. Maintenant, toi, dans tes chiffres 3, 7, 4, 5. Je te sens assez bien dans tes chiffres. Moi, je te sens bien dans tes chiffres. C'est le 4 en terre où tu as envie de développer plus. Tu as envie d'en faire plus. Tu as envie de développer. Que ça avance plus vite ou que ça avance mieux ou de manière plus concrète. Moi, c'est plus le 4 que je sens chez toi. Fais-toi confiance, Romuald. Fais-toi confiance parce que je te sens vraiment bien dans tes chiffres. Va au gré de tout ce que la vie t'amène, de ce que tu t'amènes toi au travers des événements que la vie te montre sur le chemin. C'est toi qui crées tout ça. C'est pas la vie qui a décidé que tu allais vivre telle et telle chose. C'est toi qui émets ta propre vibration et l'univers te répond avec des événements pour te montrer qui tu es toi, comment tu fonctionnes et s'il y a quelque chose à changer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, remets-toi au centre de ce cercle-là. C'est ton propre pouvoir à toi et ta spiritualité à toi. Quand y a un truc qui me chatouille les neurones, quand il parle de spiritualité, il parle de capacité, tu entends capacité, toi, ou effectivement, Non, moi, quand... développement personnel. développement personnel, Enfin, c'est-à-dire moi, un... je l'ai ressenti comme ça. D'accord, ok. Parce que je me posais la question, qu'est-ce qu'il entendait par spiritualité? Est-ce que sa spiritualité va évoluer forcément? Oui, s'il parle de développement personnel. Parce qu'en fait, plus on apprend, plus on applique et plus on évolue petit à petit. Ça prend du temps. Ça s'est pas fait pareil, ça s'est pas fait en un jour non plus. Et du coup, je me disais, est-ce qu'il parle de capacité ou de développement personnel en fait? Parce que être spirituel, c'est être authentique à soi-même. C'est pas collé à une image New Age. On te dit de t'habiller de couleurs, de dire namasté, gratitude infinie. Il y a des gens qui le font très bien et c'est en eux et c'est très naturel. Et d'autres qui le surjouent. Parce que c'est à la mode. Donc, quand les guides nous disent, nous parlent de spiritualité, pour eux, c'est être authentique et évoluer à ton propre rythme, sans essayer de ressembler à quelque chose que tu n'es pas encore.
en fait. Et juste te ressembler toi, être aligné, c'est ça, être aligné. Je suis ça aujourd'hui et je sais que demain, je vais évoluer et je serai autre chose. Et je ne surjoue pas ce que je suis. J'accueille tout ce que je suis avec toute ma lumière et toutes mes parties ombrées. Et surtout mes parties ombrées, parce que c'est en les aimant que je pourrai les mettre en lumière. Donc, c'est ça, en fait, être spirituel. C'est s'accepter tel que l'on est, avec ses qualités, tous ses défauts, et surtout se dire qu'on n'est pas parfait. Donc, s'aimer, c'est ça, être spirituel. Se donner de l'amour. Tu fais bien de relever parce qu'effectivement, moi, j'ai directement traduit comme développement personnel. Je n'ai même pas imaginé que peut-être il pouvait parler de capacité. Donc, oui, merci d'avoir rééquilibré ce truc-là. C'est ça. Et tu verras que si tu parles de capacité, Romuald, c'est en te développant, tes capacités vont arriver toutes seules, en fait. Tu n'auras pas besoin de vraiment travailler ça. Ça va revenir en toi. Quand tu fais de la place à l'intérieur, tu chasses l'ancien, le nouveau arrive et donc ses capacités. De toute façon, en ce moment, si on regarde bien, on est tous en train de s'éveiller de façon très rapide. C'est même hallucinant. Je trouve ça magique. Merci. Et tu verras que plus tu vas travailler sur toi, et plus ça va venir tes capacités, ta médiumnité, tranquillement. Mais ne sois pas dans le « je veux ». Fais. Ben juste un. La suivante. Dit-elle d'un air dépité. Juste un. Ok. Alors, juste un, et ben, du coup, c'est Anaïk qui est née Anaïk. Le 15-10-86. 15-10-1986. 15, avec mes lunettes, ce sera mieux. Du 10-1986. Donc, chemin de vie 4. 1986, 1-6. Alors, Anaïk, toi, tu dois souvent être prise en étau. Tu es 6-1-6, chemin de vie 4. Donc, ta vibration, c'est moi, je veux harmoniser autour de moi. Mais tant au niveau du mental, dans les pensées, les émotions, que dans le concret, je veux voir cette harmonie et que tout se passe bien. Mais au milieu de ça, tu as ton 1 en soleil qui appelle à être toi-même. Donc, si tu es pleinement toi-même en disant peu importe tous ces schémas habituels et que tu fais exactement comme tu le ressens, tu amènes vraiment l'harmonie. Si tu es toujours bien dans cette polarité positive, hein, parce que, alors je ne dis pas ça pour toi, mais je dis ça pour en général comme info. Une âme peut tout à fait être tout à fait libre de choisir d'incarner sa vibration pour la vivre dans la polarité dite négative entre guillemets, c'est-à-dire moi je viens semer le chaos pour d'autres raisons. Il y a toujours des raisons d'apprentissage et d'humanité, mais une personne pourrait très bien apporter la disharmonie et qu'elle soit pour autant alignée à ses chiffres. Donc là, il y a vraiment un appel pour dire, ne pensez pas que dès qu'on dit qu'on est aligné, on est dans la polarité positive de tous ces chiffres et que tout va bien. Mais ceci dit, ce n'est pas ton cas, Anaïk. Moi, je te sens dans cette harmonie, vraiment dans le sens, tu veux qu'il y ait de l'harmonie. Sauf qu'il faut la bosser pour toi, parce que tu es en chemin de vie 4. Ça veut dire à nouveau, je ne sais pas si tu l'as entendu pour d'autres personnes, que... ça peut te paraître plus difficile pour toi-même que pour quelqu'un d'autre. Et que cette harmonie, si tu veux, toi, tu l'as gagnée. Tu aurais le sentiment de dire, oui, mais moi, j'ai sué pour l'avoir. J'ai bossé pour avoir ça. Oui, ça se passe bien maintenant, ou c'est harmonieux, ou j'ai résolu un conflit, ou j'ai résolu une situation, mais elle n'est pas tombée comme ça, et tu as bossé pour l'avoir. Mais c'est ta vibration qui fait ça, Anaïk. Maintenant, ce qu'il y a de beau, je trouve, dans ton énergie, c'est que toute la difficulté que tu as eue pour l'avoir pour toi-même, c'est tout cela que tu peux mettre pour les autres. J'allais dire au service des autres, mais la notion de au service est parfois un petit peu voilà, perçue différemment. Ça dépend de la définition de chacun. Mais cette capacité-là d'harmoniser,
tant que tu t'écouteras toi, avec tes ressentis, en faisant comme tu le ressens. Parce que ce 1 en soleil est vraiment très important. Je sens également le poids d'un truc transgénérationnel pour toi, où toi, en fait, si tu apportes l'harmonie, c'est pas parce que tu as fait comme tes parents ou tes grands-parents ou ce que tu as vu dans ta famille. C'est parce que tu as changé les choses, tu as fait autrement. Donc, voilà ce que j'ai pour toi, Anaïk. Merci, merci. Petit chiffre. 2. 1, 2. J'ose pas aller trop loin, en fait, dans les chiffres de peur de, de sauter trop de personnes, tu vois. Je tombe sur un commentaire de Edwidge qui dit à Laetitia, Laetitia, c'est le syndrome de l'imposteur, renseigne-toi. C'est juste Edwidge parce que moi, je l'ai ce syndrome, en fait. Je l'ai beaucoup moins parce que j'ai travaillé, mais je le porte encore, en fait. C'est horrible. Et donc, juste après, ce sera Aurélie qui dit Aurélie. Bonsoir, je suis Aurélie, née le 23-12-1987. C'est marrant parce que ce soir, il y a beaucoup de dates de naissance qui sont les mêmes que des personnes dans mon entourage. C'est vraiment comique. J'ai eu ma fille, ma belle-mère, enfin bon, je vois toute la famille passer. Alors, 23-12-1987. 33. Alors, est-ce que ça, je ne sais pas si tu le savais. Donc, 5, 3, je revérifie. 1987, ouais. Alors, 5, 3, 7, chemin de vie, 33. Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin de vérifier? Est-ce que tu es comme ça, Aurélie, à devoir, à ne pas avoir confiance, à penser que non, il faut vérifier et tout? Donc, 5, 3, 7, chemin de vie, 33. Capacité de transformer les pensées, de changer de mental, de point de vue, de voir les choses d'un côté positif, si tu es dans ce 5, polarité positive évidemment. 3, capacité médiumnique qui va de pair avec le 33. Le 33 est un maître nombre. Je vais y revenir après. Le 7 en terre, donc cette spiritualité dans les choses concrètes de la vie, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de spirituel en toi est amené à être visible par les autres. Si tu caches tes vibrations, et notamment ta vibration de maître nombre 33, tes capacités médiumniques, toute la spiritualité que tu mets en œuvre, imaginons, tu aimes les bols tibétains ou de cristal, ou je vois des clochettes, et que tu les caches, que tu ne les montres pas aux autres, ça serait dommage parce que ça ne rentre ni dans ton 7 en terre, ni dans ta vibration de 33. Et donc, à ce moment-là, tu ne vis pas pleinement tes chiffres. Le 33, c'est un chemin de vie qui est là pour venir enseigner aux autres. Pas spécialement dans le sens explication, genre professeur du terme. Tu peux incarner toi-même l'enseignement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent s'inspirer de toi par ton exemple. Alors, un maître nombre vit des épreuves avant de pouvoir pleinement être dans sa propre vibration. Il va être amené à vivre des épreuves pour l'amener à s'écouter plus et oser apporter cette vibration. L'avantage, c'est que oui, tu es né en 87, donc c'est une vibration déjà que je sens plus fraîche ou moins lourde que des vibrations, par exemple 33, qui dateraient des années 50-60. Alors, toi, dans ton énergie, 5, 3, 7, 33. Je ne pense pas que tu... Je ne sais pas si tu connais déjà la pleine mesure de ton 33, Aurélie. Alors, si tu ne connais pas, tu peux regarder soit d'autres émissions sur l'Essentiel TV, des lectures d'âme ou des lectures angéliques, comme ça s'appelait avant, dans lesquelles on parle beaucoup des maîtres nombres, ou carrément sur Internet, hein, Google, maître nombre 33, et tu auras pas mal d'informations. Ça peut franchement te pister, j'allais dire, te donner des pistes ou te guider pour être à l'écoute de cette vibration-là. Parce que plus tu vas être dans cette vibration de « j'apporte aux autres », toute cette communication que j'ai, mes capacités médiumniques, la manière que j'ai de pouvoir le montrer aux autres, ce serait vraiment intéressant. Plus tu vas être là-dedans, plus tu vas toi-même être bien dans ta propre vie, quoi que tu fasses, quel que soit le domaine professionnel. Donc,
un appel très fort à ta propre, ta spiritualité, à nouveau, pas celle du voisin, les autres, tes questions à toi, ce que toi tu en vois, ce que toi tu en ressens. Et vraiment, je t'invite à aller rechercher cette vibration 33, regarde un petit peu sur Internet et vois comment ça te parle. Voilà pour Aurélie. Merci. Petit chiffre. Tu me dis quand tu es fatiguée. Hein, on peut en prendre encore deux ou trois. Là, il est quand même 11h moins 10 presque. C'est ça. C'est pour ça que je te dis ça. Oui. Oui. Et on n'est plus en confinement. Donc, voilà. En plus. Allez, un petit donc, chiffre. Donc, deux. Un, deux. Alors, Lolo qui dit bonsoir, je suis née le 18/05/1969. Quel est mon chemin de vie? Merci beaucoup. 957. Alors, 18 du... Ah, 18 du 5, 1969. Ok, 9, 5, 7. Chemin de vie 3. 9, 5, 7. Donc, Lolo, tu as une vibration où tu penses beaucoup aux autres. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que tu fais beaucoup pour les autres, puisque là, on est en lune et que en terre, c'est un autre chiffre et que je ne fais pas ta numérologie pure, c'est vraiment lecture d'âme. Mais ton esprit est vraiment tourné vers les autres. Maintenant, comme ton chemin de vie est en 3 en communication et que c'est un thème récurrent que tu viens travailler, il est fort, fort, fort possible que dans ton entourage, les gens ne captent pas à quel point tu peux penser à eux. Les gens ne réalisent pas que tu es tourné vers les autres, que tu penses aux autres. Parce que justement, c'est un 9 en lune, donc c'est dans le mental. Et le tout dépend de ce que tu en fais. Or, ce que tu en fais, c'est la planète Terre. Et là, c'est le chiffre 7. Donc, le 7, c'est donc ta spiritualité. On en a parlé avec d'autres personnes. Tout ce qui émane de toi, tes pensées, la foi que toi, tu as, tes croyances, les questions existentielles auxquelles toi, tu as répondu, donc tes propres réponses, ça donne quoi dans le concret? Est-ce qu'on voit visuellement qui tu es et qui tu penses que tu es, qui tu as décidé d'être? Est-ce que ça se voit vraiment dans les comportements? S'il y a un décalage entre ces deux trucs-là, les autres ne verront pas à quel point tu penses à eux. Et là, ce serait un problème de communication. Et ton 5 en soleil, alors don de guérison, mais moi je le sens plus dans un don de transformation. C'est-à-dire que c'est pas spécialement vraiment dans l'énergétique, même si ça peut l'être, hein, je ne le mets pas de côté, mais c'est plus dans toute ta manière d'être, ta manière de penser, d'agir, d'être en cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Il y a quelque chose à transformer là. C'est un truc de karmique aussi. Hein. Moi, je sens plus le 5 en soleil dans le karma qui est apporté dans ce chiffre-là. Où toi, tu es en train de nettoyer un karma, quelque chose d'assez fort. Quoi. Alors, à nouveau, le karma, chaque âme se le choisit. Hein. Il n'y a aucune âme qui va nous donner un karma à devoir nettoyer, porter, etc. L'âme en elle-même, avant de s'incarner, choisit le karma qu'elle a envie de se porter par rapport à des vies antérieures, par rapport à des thématiques précises. Moi, je te sens plus dans ce 5, mais dans le karma. Tu es en train de dépasser un truc que tu n'as pas pu résoudre dans d'autres vies. Et donc, voilà, moi, je t'encourage à être vraiment dans ce truc-là. Penser aux autres, mais cette communication, regarde si la communication, la manière dont tu communiques avec les gens te convient. Si tu as beaucoup de relations tendues, si tu te sens incomprise, penche-toi sur la manière dont tu communiques. À nouveau, ne te complais pas pour les autres. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut changer ta manière de communiquer pour plaire aux autres. C'est pas du tout ça. C'est uniquement si tu vois qu'avec les autres, ça pose un petit peu problème et pour toi aussi, à ce moment-là, regarde ce qu'il y a à modifier. Mais pour que ça te convienne à toi. Si ça convient à la majorité des gens autour de toi ou à ton entourage proche, tant mieux. Et que ça ne convient pas à d'autres, tant pis. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde.
Tu es là pour vivre ta propre vibration et être en accord avec ta propre vibration. Pour ceux que ça ne plaira pas, ben tant pis, ils iront voir ailleurs. Mais donc, ne rentre pas dans une complaisance. Mais par contre, suis ton propre ressenti à toi, en sachant que tu es en train de vivre, que tu peux vivre ce karma de manière lourde, mais que tu en es la première bénéficiaire, en fait, déjà. Et après, tu pourras l'apporter aux autres également aussi, pour les aider eux. Voilà pour Lolo. Ok, encore deux questions. On a un petit retour de Christelle qui dit « Merci beaucoup, lecture très intéressante. Vous êtes tombée pile. Effectivement, je me pose la question du boulot, du que vais-je apporter dans cette vie, etc. Belle soirée à vous. Merci Aline et Christelle. Merci à toi Christelle. » Eh ben voilà, ben, continue bien comme ça Christelle. Ok, je regarde si on a d'autres retours. Pop, pop, pop. Non. Allez, un petit chiffre. 4. 1, 2, 3, 4. Alors, Emeline qui dit « Bonsoir, je suis du 31 mars 1989. Que pourriez-vous me transmettre par rapport à mes chiffres ? Merci. » Alors, 9, 3, 4, 3, 9, donc 31 mars 1989. Donc, 4, 3, 9, chemin de vie 7. Alors, Emeline, mental très actif où tu te poses beaucoup de questions, encore et encore et encore, ne combats pas ça. Ça fait partie de ta vibration. Donc, si tu as un entourage qui te dit « Oh, Emeline, ça va, c'est bon, machin et tout », ne t'inquiète pas, ne rentre pas dans un combat contre toi-même. Ta vibration est faite comme ça. Maintenant, ce qui pourra t'aider, c'est si tu as envie d'adoucir, mais surtout, ne t'arrête pas de poser des questions, ne t'arrête pas, ne combats pas ce mental actif. Parce que tu combattrais ta propre vibration, en fait, si tu faisais ça. Trois en soleil, capacité médiumnique. Alors là, c'est comme j'ai dit pour une autre personne tout à l'heure, les capacités médiumniques, c'est tu as tout un champ de possibilités devant toi. Il y a plein de possibilités, donc les tarots, le pendule, la clairo, du sentience, connaissance, l'interprétation des rêves. Tu as plein, plein, plein de choses en capacité médiumnique. Vois ce qui t'appelle, ce qui se place sur ton chemin, suis tes ressentis. Parce que plus tu vas être à l'écoute de cette capacité médiumnique et plus ça va s'aligner automatiquement pour tes autres chiffres et tu vas clairement voir la différence dans ta vie. Clairement. Neuf en terre, c'est tu veux faire pour les autres. Mais dans le concret, c'est-à-dire que c'est pas le tout de penser aux autres, c'est que tu veux être là pour les autres. Et je le sens pas de manière problématique dans ta vibration. Et chemin de vie 7, donc spiritualité, donc très ouverte, faire une introspection à un moment donné, comme je l'ai dit aussi pour une autre personne. Le chemin de vie 7 vient recouvrer un petit peu toute ta vie. Donc, régulièrement, ce sujet va t'être proposé pour faire une introspection. C'est comme si tu devais faire un petit bilan, tu vois, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60, etc., au fur et à mesure de ta vie, de dire, tiens, et maintenant, est-ce que j'ai toujours les mêmes croyances? Est-ce que j'ai toujours la même foi? Est-ce que j'ai toujours les mêmes principes, les mêmes valeurs? Et d'oser les remettre en question pour voir si toi, tu es toujours en accord avec ça. Et à nouveau, ce sont tes propres réponses. Maintenant, toi, Emeline, dans ta vibration 4, 3, 9, 7. Alors, moi, j'ai un alarme là pour le... Enfin, un alarme, un vous pour le 4 en lune, mais pour te rassurer. Vraiment pour te rassurer en disant, je t'en supplie, ne combats pas ta propre vibration. S'il y a quelque chose en toi de ta vibration qui déplaît aux autres, ne rentre pas directement dans un truc, oh, il faut que je change. Ou pourquoi je suis comme ça, et à commencer dans une introspection, une remise en question, en disant je dois changer, ça ne va pas, etc. Si ça te dérange toi, alors oui. Si ça dérange les autres, mais pas toi, ne fais rien. Moi, j'ai vraiment un appel important pour ça, Emeline. Emeline, pardon, Emeline. Surtout ce 4-là. Parce que ça fait partie de ta vibration du 4 en lune, de te poser des questions, de remettre en question et de prendre compte de la vie des autres, de dire ils ont peut-être raison et donc je vais me remettre en question, etc.
Mais non, tu peux utiliser l'avis des autres comme piste de réflexion, comme guidage, si tu veux, comme base de départ, mais pas comme postulat de départ pour te dire il faut changer. J'espère que tu vois bien la nuance, Emine, parce qu'il y a vraiment un appel à te dire, ne combats pas ta propre vibration. Voilà pour Emeline. Je propose qu'on en prenne une dernière. Ça marche, petit chiffre. Deux. Un, deux. Alors, c'est Lucie qui est née le 20-06-85, qui dit merci pour la lecture d'âme et un nouveau message à savoir. Merci. Alors, 1985, donc ça fait 2, 6, 5. Chemin de vie 4. Alors, Lionel, 2, 6, 5, chemin de vie 4. Donc, on a déjà dit tout à l'heure, chemin de vie 4 peut être un peu plus compliqué. C'est Lucie, hein. Lucie, j'ai dit quoi? Lionel. Ah ouais? Oui, Ok. bah c'est en fait, regarde, c'est Lionel, Lucie. Ah ok, d'accord. Ok. Oui, donc ça va, je suis pas tout à fait barjot encore. Pas tout à fait à côté de la Pas plaque. tout à fait. Pas tout à fait. Ok, c'est bon. Lucie. Donc, 2, 6, 5, chemin de vie 4, chemin de vie 4 qui peut être un peu compliqué parce que voilà, ça demande des efforts, du travail, etc. Ne te compare pas aux autres. Surtout qu'en plus, avec ton 2 en lune, toi, tu vas vouloir connecter aux autres, partager tes pensées, tes émotions et ça fait partie de cette vibration-là. 6 en soleil, donc harmonie. Toi, ça émane de toi, tu as envie d'harmoniser. À nouveau, polarité positive. Si à un moment donné, tu n'es pas du tout dans ton axe ou que tu es dans l'alignement d'une toute autre polarité, tu vas pas chercher l'harmonie. Il va se passer des choses, peut-être même malgré toi ou qui ne soient pas tout à fait conscientes, qui fait que par ta manière de réagir, ça n'apporterait pas une harmonie. Mais, c'est là où c'est génial, tu as le 5 en terre, donc tu transformes. Donc même si tu te rends compte que tu as des moments où les gens pourraient te reprocher, entre guillemets, tu t'entendrais dire que oui, mais c'est ton comportement, c'est ta parole ou c'est ton truc à toi qui a fait que il y a eu un conflit, une tension, une dispute, un malentendu, une incompréhension. T'inquiète pas, elle vient travailler les autres chiffres dans cette transformation-là. Et comme tu as un chemin de vie 4, par définition, ton 6, il ne peut pas toujours être dans l'harmonie. Donc, quand tu vis des situations qui ne sont pas tout à fait harmonieuses, s'il te plaît, ne t'inquiète pas en te disant, oh, je ne suis pas dans l'harmonie, dans mon 6 de l'harmonie, je ne suis pas alignée. Ça... Non, ça, c'est ton chemin de vie 4 qui vient te le faire travailler. Donc, par définition, ton 6, tu ne peux pas toujours le vivre dans l'harmonie. Et tu viens vraiment dans les deux côtés pour faire travailler l'ensemble de tes chiffres, 2, 6, 5, 4, c'est-à-dire je connecte aux autres, je partage mes pensées, mes émotions, j'ai cette harmonie, mais que j'ai besoin de transformer quand il y a besoin de transformer. Et chemin de vie 4, c'est, ah ben, ça bosse. Ça bosse et ça travaille. Est-ce que j'ai autre chose pour toi, Lucie? Est-ce que j'ai un message? Alors, on parle d'un petit compagnon. Alors, je ne sais pas si on parle d'un animal de compagnie ou d'un petit compagnon, genre un enfant. Ça n'a rien à voir avec tes chiffres. Moi, je ressens beaucoup de douceur. Enfin, voilà, non. Pour tes chiffres, Lucie, je pense, ouais, 2, 6, 5, 4. Non, c'est bon. Je pense que j'ai vraiment dit ce qui était important pour toi de capter aujourd'hui. Voilà. Aline, ma belle Aline, reviendras-tu parmi nous? Non, 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 c'est la fin, voilà, c'est l'acquis pour moi aussi, c'est comme ça. Donc c'est OK pour toi? Oui, ok pour moi, En tout cas, eh bien, merci Christelle pour cette belle émission et merci à toutes celles et ceux qui nous suivent hein, pour leur confiance à chaque fois renouvelée. oui. Donc voilà, moi je vais vous souhaiter une excellente nuit, un très joli dodo, un très lumineux dodo. Et c'est Laetitia la semaine prochaine qui vous donne rendez-vous avec une émission avec Nathalie Perrault, notre inconscient et son fonctionnement. Et voilà. Pour la semaine prochaine, c'est la seule émission. Et puis, je vous souhaite une belle nuit, des petits. Merci à tout le monde.
Bonne nuit.